your body and spirit. Salut les gars, ça va? Salut Kaoula, salut Paul, salut Foxlou, salut Hugo, salut Joe Patate. On va pouvoir y aller. C'est ici. Hop là. Bon, tout le monde est prêt, tout le monde entend bien, tout le monde me voit bien. Salut Gabinzor, salut Sioui, salut Temo. Ah, ça faisait un petit moment. Salut Scalpix, salut juste webpage. Et oui, ça change de crash. Allez, on va pouvoir commencer. Salut à tous, bienvenue sur Coffee Gaming. On est reparti pour un troisième live de Super Mario Sunshine. Bon, le deuxième était un peu meilleur que le premier. Ça va, je recommence à prendre un peu mes marques sur ce jeu. On va continuer à progresser. Je vous rappelle que pour pouvoir accéder... Là, on a quasiment débloqué tous les niveaux, en fait, au final. Pour pouvoir accéder au boss final, en fait, il va falloir... réussir à battre tous les anti-Mario. C'est-à-dire que pour faire tous les anti-Mario, donc c'est les ennemis de Mario en fait, c'est... voilà, c'est... concrètement, c'est Bowser Jr. déguisé en Mario. Il va falloir choper les 7 étoiles de chacun des niveaux. Donc là, vous voyez qu'il nous en manque encore quelques-unes, un peu à droite à gauche. Oreco, Gelato et Flow, en fait le seul où on a eu l'anti-Mario, c'est la colline Bianco concrètement. Allez, on va se jeter par là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? On avait fait... Ben, on va retourner au niveau de la plage. Hein. On avait déjà fait l'étoile de l'oiseau, donc les autres ne seront pas aussi chiantes. Salut Basile, salut Roman. Salut Laé. Non, ça va Laé, j'ai même pas ragé ce matin, tiens. J'ai oublié. Alors. Oula, je crois que la caméra a encore fait des siennes. Ouais, la caméra a encore planté. Bon, ça lui arrive de plus en plus souvent en ce moment. Ah oui, c'est vrai, il reste encore un tout dernier niveau, le village Planta, en effet, Paul. Salut à Fox. Comment ça sur 64? Mon dieu, non, ne dites pas ça. Non, Mario Sunshine n'est pas sur 64, c'est sur GameCube, tabernacle. Salut Karchakroc, putain. Ne dites jamais ça à un fan de Nintendo, il va vous assassiner, le pauvre. Alors, il Piantissimo, en fait, c'est concrètement celui qui remplace Koopa Troopa des Nintendo de Mario 64. Il faut aller plus vite que lui. Le problème, c'est qu'il court sacrément vite, le bougre. Merci, Kaoula. Le record est de 35 secondes. On peut faire beaucoup de choses en 35 secondes. Ah putain, mais en plus il me saute dessus l'enfoiré. Allez, hop. Merde, pourquoi il arrive pas? Voilà. Bon bah c'est très mal parti pour moi, on dirait. On voit un peu ce qu'il va faire, comme ça on pourra faire la même chose sur une nouvelle vie. Gauche. Normalement, il y a moyen d'y aller beaucoup plus facilement, mais j'ai pas du tout pris le chemin le plus facile. C'est juste pour repérer un peu par où il passe, comme ça on pourra recommencer juste après. Voilà, donc il faut aller jusque là. Bon, du coup, il se fout de ma gueule, tout ça, tout ça. Ah. N'empêche, on perd une vie parce qu'on a perdu une course quand même. Vous imaginez le truc? Salut Dark Maul, salut Devic. D'accord, allez. Non, j'ai eu un problème tout à l'heure, Basile, mais le live il est lancé depuis quelques minutes. Salut Christina.
Allez, c'est reparti. Oui, Paul. Bah désolé, j'ai raté 3 fois de suite un petit saut de merde au début. Ça arrive, hein. C'est pas la même maniabilité qu'un crash, malheureusement. Oh, cagoula, hein, quand on dit que Mario Sunshine c'est sur 64, on fait pas ce genre de remarque après. Salut Ventus. D'accord, Basile. Alors, hop. Allez. Cette fois-ci, on y va un peu plus sérieusement. Merde, mais sérieux, mais... Il arrive à me stunner. Juste en me passant dessus, quoi. Bon, en fait, j'aurais pu faire encore plus rapide en coupant par la gauche, mais... Ça marche bien aussi ici. Mais au moins, c'est moins risqué. Bon, bah là, on peut dire que c'est réussi. Salut Tsubasa, salut Maître Garrox. Là, c'est Mario Sunshine, Christina. Salut Sakuxio. Ah, ça fait bizarre, il y a déjà pas mal de monde pour un début de live. On voit les habitués. Allez, 29. En fait, j'ai pas hâte d'avoir le prochain niveau parce qu'en fait, si, il reste encore un niveau à débloquer, comme disait Paul, donc c'est le village Pianta, je crois bien. C'est bien, Mandine. Et ce niveau-là, avec le niveau de l'hôtel, je les trouve tous les deux très très... Voilà. Ah, Nas Gaming, ça fait longtemps en effet. Alors, pièce rouge et coraux. Ah, oh, je sais pas pourquoi je sens pas celui-là. Ah, celui que je préfère entre le 64 et le Sunshine. Je saurais vraiment pas te dire, pour moi c'est deux jeux totalement différents. On va dire qu'au niveau visuel, je préfère 100 fois le Sunshine parce que enfin, le côté vacances et tout, c'est vachement plaisant. Par contre, au niveau gameplay, le 64, je le trouve déjà bien foutu en fait. Là, en reprenant le Sunshine, franchement, le coup des sauts, je le trouve mal géré. Salut Colbert, c'est William, salut Patrick. Attendez. Où se cachent les pièces? Petite pièce, putain, c'est flou. Sur ma télé, c'est flou. C'est ça qui est dingue, c'est que je regarde. On regarde le let's play sur, YouTube en même temps. Et sur YouTube, en fait, ça passe, c'est pas si moche, mais putain, sur une télé HD, ça passe pas. Attendez, comment on fait pour nager en... Ah voilà, d'accord. Alors, les pièces rouges, ça a toujours été lagging dans tous les Mario. Ah, il y en a une qui est là. Voilà. Ah, c'est parce que c'est pas facile de répondre aux messages en jouant là. Salut Marc. Ah, moi je suis plus de Mario Kart que Crash Team Racing, mais il faudrait que je reteste Crash Team Racing, un de ces 4. Et j'avais bien aimé le Crash Team, enfin le Crash Team Racing Fusion. Le principe, j'avais trouvé assez intéressant. J'avais commencé à bien poncer le jeu et il y a eu un bug qui a fait que j'ai eu un gros freeze et ma sauvegarde a planté. Donc j'ai pas eu le courage de le finir à 100%. Alors que le jeu j'avais trouvé, enfin le concept du jeu j'avais trouvé excellent. Salut Clément. Salut Laura. Ah non mais franchement le crash de tout à l'heure j'ai pas trouvé si méchant que ça hein. Vous inquiétez pas, je m'en suis remis. Le niveau il est pas facile mais je pars du principe qu'il y a eu des niveaux moins faciles quand même qu'on a fait avant. Putain mais je crois que le poisson il est tombé amoureux de moi, je fais quoi? Je l'épouse? Ah, attendez, je crois qu'il y avait encore une pièce qui traînait par là-bas. Planqué au milieu des coraux. Ouais. Il y en a une encore à côté. Il n'y aura plus qu'une dernière à trouver. Attendez, j'avais... Oui, elle est là. Elle est cachée au milieu des poissons, c'est pour ça que je l'avais pas vue. Ah non, elle se déplace avec les poissons, carrément. Maintenant, elle a son propre banc, en fait. Reviens, connasse. Elle m'a vu et s'enfuit. Voilà. Plus qu'une dernière.
Non, encore une fois, Nanas Gaming, je ne ferai pas de Minecraft, tu me l'as déjà demandé. Je sais que ça intéresse pas mal de gens, Minecraft. C'est un très bon jeu, c'est un excellent jeu même, il n'y a pas beaucoup de jeux qui vous proposent la même chose. Mais c'est pas le genre de jeu sur lequel je prends du fun moi personnellement. Attendez, elle est là, elle tourne avec les poissons la pièce. Elle passe au travers des murs, c'est pour ça que j'arrive pas à choper. Elle va réapparaître là. Donc voilà, je préfère faire avec vous des jeux quand même que j'apprécie un minimum, parce que je pense que si vous appréciez regarder mes lives, c'est parce que je m'éclate bien aussi. Et il y a pas mal de chaînes qui font déjà du Minecraft. Putain, mais comment... Mais elle est passée où ma pièce? Elle est pas par là. Ah, elle est là. Putain, mais elle a disparu. Putain, je comprends pas par où il passe les... Putain, elle est là. Je comprends pas à quel mur, à travers quel mur elle passe cette pièce. Voilà. Salut Trou de Balou, ça va et toi? Salut Goman. C'est lequel le Crash 2006? Et non, je les ai pas encore fait en vidéo. Les Goman, encore une fois, toute la liste des jeux est notée et re-re-notée dans la liste des coups de description. Salut William le Colombien, bienvenue à toi. Salut Bernard Jean-Noël. Non, je les connais pas du tout, Jean-Noël. Ouais, mais ça reste pas du Mario, Christina. Salut Beb, ça va? Oui, oui, les poissons, ils s'en foutent des zones de cohésion. Merci Marc Touzeau pour ton abonnement. Salut Jadouné. Ah bah... Content que tu reviennes. Alors, on va encore aller taper sur de l'anti-Mario. Salut Pernes. Hop là. Comment ça, je vais tout refaire? Tout refaire quoi, Clément? J'ai rien compris. Alors. C'est lui qui a la buse. C'est lui qui a la putain de buse qui manque depuis des niveaux et des niveaux et des niveaux. Il est passé où? Il est passé où? J'entends sauter mais je ne le vois pas. Il est retourné de l'autre côté? Ouais. Merci pour l'abonnement. Merde. Mais sérieux, on va pas me dire que je l'ai pas touché là. Allez, mais meurs. Meurs, meurs, meurs. Meurs, meurs, meurs. Ah, mais bordel. Je sais pas pourquoi les sauts dans Mario. Dans Mario Sunshine, j'ai tellement de mal. Pourtant, vous avez vu de. Enfin. Mario 64 niveau maniabilité, voilà, c'est une maniabilité 64. C'est pas top, c'est l'époque qui fait ça. Je me démerdais mieux que ça sur des sauts, alors que là j'ai une magnifique manette GameCube. Qui est quand même pour moi une des manettes les plus agréables au monde. Et putain, je galère tellement à gérer mes sauts dans Super Mario Sunshine, c'est affligeant. Allez, reviens-toi. C'est bon, t'es mort. Merci William pour ton abonnement. Salut Quantal Gamer. Salut Miss Pikachu, ça va? Non, je fais quasiment que des lives là. Non, Eric, je joue sur une vraie GameCube. Eh oui. Y'a rien de mieux que de jouer sur une vraie console. Alors, il va falloir hop, que je sois synchro. Attendez, hop, on va faire un petit truc au passage. Et ah putain, il y a un petit soleil caché par ici. Voilà. Il faut laver le soleil de la place Delfino. Et voilà. Et on a le droit à un soleil gratuit.
Dommage, Belle. Ah oui, c'est vrai, le soleil sur le phare, maintenant, je peux le faire vu que j'ai la bonne buse. Ah, merde. Ah, je me suis foiré. Voilà. Bon, en vrai, les soleils, à part si on veut finir le 100%, ça sert à rien de les choper. Bon, on les chope quand même. Parce qu'en fait, là, le but pour avoir le boss final, il faut faire les 7 premières missions de chacun des niveaux, en fait. Salut Reaper Sense Assassin, salut Hard Perso Gamer. Allez, Hard Perso Games, pardon. D'accord, en effet, il faut que je pense à faire un live Mario Maker la semaine prochaine, truc de balou. Là, j'ai soit cet après-midi, soit demain, préparer les lives de la semaine prochaine. Je vais arrêter après le boss final, Clément. Avec une carte d'acquisition et un adaptateur Scar, Eric. Désolé, j'ai du mal à articuler aujourd'hui. Alors, hop. On va faire celui. Bon, même s'il est optionnel, on va faire celui en haut du phare. Parce que c'est vrai que Paul, ça fait deux fois que tu m'en parles. Hop. Et qui est bien sympa, faut juste donner un bon coup de cul. Hop là. Ah merde, raté. Dommage. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir prendre un peu d'élan. Bam! Bon, ne le faites pas chez vous, sinon vous allez vous péter le coccyx, hein. Salut gang des gamers. Salut Fanex, bienvenue à toi. Salut Fantastic Music, bienvenue à toi aussi. Et j'aime bien ton pseudo. Pas de soucis, Eric. Oh Philippe. Ah, salut Miss Amaterasu, ça va? Hop, petite sauvegarde. C'est très gentil, Jadoné. Bah, n'hésite pas à parler de ma chaîne à d'autres personnes si jamais elle te plaît vraiment. Salut Oreo. C'est qu'à préparer tes lives de la semaine prochaine en live. Vous allez vous faire chier, vous allez juste me voir en train de réfléchir, regarder mon emploi du temps, préparer des miniatures, préparer des tags. Enfin, y a rien de très marrant à. Franchement, le côté le plus chiant, voilà, de. D'être youtubeur, c'est pas de faire des lives, hein, c'est vraiment tout ce qui est autour. Les préparer, se renseigner sur les jeux, vérifier que les trucs fonctionnent bien, découper les vidéos, mettre. Voilà. Fin... Là, c'est vrai que vous voyez que le côté entre guillemets agréable de moi en train de rager sur un jeu. Allez, hop. On va aller quand même visiter ce nouveau niveau. Merci, c'est sympa. Merci mon petit Paul. Oh mais ça va, les modos ils ont le droit à des vacances aussi de temps en temps, hein. Faut qu'ils soufflent là. Hop là. Et là normalement, nouveau niveau. Allez, voilà. Ah non, j'ai pas réussi Oreo, mais on le fera une autre fois. Elle a quel âge ma GameCube? Ouf. Bah, j'ai acheté un an après sa sortie quasiment, donc elle doit être de 2002 ou 2003. 2002 je dirais. Donc elle a 15 ans, elle est bientôt majeure. Elle a la majorité sexuelle ma GameCube. Non, encore une fois Basile, je ne compte pas faire le 100% du jeu, je l'ai déjà fini à 100% il y a très longtemps. Et franchement, ça me tente pas. En fait, s'il n'y avait pas eu l'histoire des pièces bleues, j'aurais refait avec vous sans souci, le 100%. Mais les pièces bleues sont tellement chiantes à choper. Alors du coup, j'ai pas... Ah oui, les chompis se déchaînent. Du coup, j'ai vraiment la flemme de le faire à 100% avec vous parce que les pièces bleues, c'est vraiment l'horreur. Les animaux de compagnie, cette brave dame, ont décidé de prendre la clé des champs. Ouais. Des animaux de compagnie, des trucs qui sont en train de chier du feu partout. Alors, faut que je me rappelle comment on fait.
Parce que je me rappelle que j'avais galéré sur cette mission là, mais je ne sais plus pourquoi. Ah, parce que là je crois qu'une fois qu'on les a comme ça, je ne sais plus ce qu'il faut en faire. Je crois qu'il faut les mettre dans l'eau en fait. Voilà, oui, c'est ça. Et en fait, à l'époque, je ne savais pas qu'il fallait les mettre dans l'eau et du coup, je ne savais pas quoi en faire. Du coup, je leur tirais sur la queue, mais je savais pas où les mettre. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, l'eau, elle est par là. Yes. Il y en a encore combien? Il y en a encore là-bas, ça tombe bien, il est juste à côté de l'eau. Reviens mon petit loup, hop. Il faut les mettre à la SPA. Ouais, pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour la SPA, j'aurais peur pour les autres animaux à vrai dire. N'oublie pas, il faut toujours bien se comporter avec les animaux. Bah, ils ont quand même mieux se comporter avec moi. Hein. Bon, a priori... Ah non, il y en a plus, c'est bon. Coucou Chloé. Bon, ça m'arrive, j'atounais, mais pas des masses. Hop. Et voilà. Salut The Golden Sky. Ah, c'est bizarre ça, Fantastic Music. Normalement, les GameCube, c'est vraiment... Enfin, comparé à d'autres consoles comme la PS1 ou la Dreamcast qui ont des fois des soucis de lentilles avec la longueur, je trouve que la GameCube, c'est une des consoles qui a mieux tenu parmi les âges. Ah, ça m'arrive de temps en temps de bien jouer, Paul. Pas souvent, mais ça m'arrive. Non, ce monde est vraiment dur, Chloé. Et moi aussi, je le trouvais dur quand j'étais gosse. Oh putain, Rail Piantissimo, j'ai horreur de ce mec-là. Non, je l'ai pas fait, Augustin. Merci, les gars. Ah, on peut pas glisser sur le pont. Alors, il Piantissimo, il faut aller par où, Mister Piantissimo? Putain, ah oui, merde. Je m'en souviens de celui-là parce qu'à chaque fois, je me pétais la gueule d'un truc en l'air, à chaque fois, juste avant la fin. Ah, Monster Hunter, j'aime bien, mais j'arrive jamais à tenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au bout d'un moment, au bout de 10 heures de jeu, je me fais chier et je laisse tomber. C'est lui, KMD Gamer. Ah, j'adore les cerises, Pernes. Coucou Marine. 30 secondes, oula, il va falloir que je dise beaucoup. Merde. Ah mais putain mais... Voilà, hop. Ah putain. Non non non, pas maintenant. Ah bordel. Bon ben voilà. Re-Laura. Je sais plus du tout, William. Salut, où est Foyer? Bah, Hugo, pour tes réponses, tout est marqué dans la description. La liste de tous les jeux qu'on fait est notée. Ah, ça s'est très bien passé, Noob Tower. Très très bien. Franchement, même moi j'étais halluciné de l'avoir fini aussi rapidement. Salut Woody. Là, au lieu de poser toutes tes questions ici, je te rappelle, on a une FAQ demain soir. Je serais ravi de répondre à toutes tes questions sur la FAQ parce que là, du coup, je passe plus de temps à répondre à tes questions et celles de Clément qu'à jouer malheureusement. On dirait, Basile. Salut Pierre Craftin, Craftmain. Salut Mademoiselle Tokyo. Ton chat ou ton chat, trou de balou? Non, je m'attendais à... En fait, c'est juste que je m'attendais à Pierre Noob Tower. Enfin, je m'attendais vraiment à passer 2 ou 3 heures minimum dessus. Au final, le truc sur lequel j'ai passé le plus de temps, c'est même pas le niveau en lui-même, c'est le niveau bonus. Ah, tu dois être un peu maso alors, The Golden Sky. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec ce niveau-là. Hop là. Ah, bordel! Sérieux, j'ai horreur quand il fait ça.
Allez, vite, vite, vite. Fous-moi la paix. Y'a pas moyen de l'arroser. Faut le ralentir. Non. Putain, tu vas pas me dis pas qu'il va me gruger sur la fin quand même. Oh, mais sérieux, on est arrivé en même temps. D'accord, Weedy. Hi, Kuran Guy. Salut, Retro Spectel. Ah, bah, bien sûr, je suis intéressé par Mario Odyssey. Moi, je suis intéressé par tous les Mario. Sauf Hotel Mario. Ma première vidéo, ça a été... je sais même plus. Bah, regarde sur la chaîne. En plus, le pire, c'est que j'avais rematé il y a pas longtemps et je m'étais dit, oh putain. Je me demande si c'était pas Super Mario Bros, tout simplement. Bon, en tout cas, c'était une des premières Super Mario Bros. Ah, je préfère Mario parce que Luigi, c'est une savonnette déjà. Bah si j'ai moyen de me payer la Switch, pourquoi pas. Et s'il tourne en live aussi, parce que pas sûr qu'il tourne bien en live. Je vous rappelle que j'ai une connexion de merde. Salut Stylax. Ça doit être ça, Chloé. Non mais moi le problème c'est qu'à chaque fois je me le prends sur la gueule une ou deux fois et en fait ça me fait perdre de 5 secondes. En fait faudrait juste que j'arrive à l'éviter quand je glisse. Et je pourrais gagner sans souci, mais le problème c'est qu'à chaque fois il traîne sur le chemin et je me le prends dans la gueule. Voilà, là, normalement si je continue comme ça, ça devrait marcher. Et ça m'arrive très souvent de glisser du palmier aussi. Alors qu'il est vachement large, mais j'arrive à me péter la gueule quand même. Oh putain! Non! 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 Voilà! J'avais gagné, mais non. Salut inspecteur Quacky, ça va? Oui, mais déjà, Splatoon 1, il tourne pas en live, Noob Tower, encore une fois. Vous avez... Parce que le problème, c'est que tous les jours, il y a quelqu'un qui me dit, tu peux faire Splatoon en live? Non, je peux pas. Ah. Tu peux faire Splatoon en live? Non, je peux pas. Ah. Et sinon, tu peux faire Splatoon en live? Non, je peux pas. Donc, maintenant qu'il y a Splatoon 2 qui est sorti aujourd'hui, et tu pourras faire Splatoon 2? Non, toujours pas. Enfin, si le 1 il tourne pas en live, le 2 il tournera encore moins bien en live. Malheureusement. Yop là. Nickel. Bon, on va pouvoir choper ce soleil. Et trou de balou, je viens de te dire, faudra que j'essaie de le placer sur la semaine prochaine. J'ai même pas mon emploi du temps devant les yeux, il est même pas cloisonné et tout. Encore une fois, les lives, si je ne l'ai pas... Je suis désolé, je suis pas là pour m'engueuler avec vous, je suis là pour jouer. Mais voilà, encore une fois, si les lives sont pas programmés, c'est que je ne sais pas quand est-ce que j'ai du temps libre pour vous les faire. Donc je ne peux pas vous dire d'avance. S'ils sont pas déjà programmés, c'est que je ne sais pas quand est-ce que je peux vous les faire. C'est pas pour... Je fais pas de la rétention d'informations et je fais pas ça pour vous faire chier. C'est juste que moi, j'ai un emploi du temps qui varie encore une fois toutes les semaines. Et que si je pouvais vous faire du live tous les jours à telle heure jusqu'à telle heure en sachant quel jeu je peux vous faire d'avance, je vous le ferais. Y a pas de souci. Et en attendant, c'est pas le cas. Kuran guys, we can play with Luigi in Super Mario Sunshine. We only can play with Mario. Comme d'habitude, j'ai tourné la fac sera en live en effet. Merci inspecteur Quati, heureusement que t'es là pour me sauver. Hop là. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle, j'adore faire des lives avec vous et tout, mais à côté, j'ai un métier, j'ai des activités. Si je paye pas le loyer et internet, malheureusement, bah, je pourrais pas vous faire des lives. Rappelez-vous-en. Donc il faut bien que je gagne de l'argent pour payer tout ça.
Merci Reaper Sans. Et voilà. Je me suis même pas cassé la gueule cette fois-ci. J'espère que vous êtes fiers de moi. Alors, Art Perso Game, depuis le niveau de Crash Bandicoot 1, on n'a plus le droit de sortir les mots corde et pont dans les lives. Merci Chloé. Salut Stitch. Mais je regarderai tout à l'heure, j'essaierai vraiment de vous faire, parce que c'est vrai que ça fait depuis très longtemps que je n'en ai pas fait. J'essaierai vraiment de vous caler un live Mario Maker la semaine prochaine. Non, oui, mais Basile, comme j'ai expliqué au tout début, je ramasse pas les pièces bleues au cas où un jour je voudrais faire le jeu à 100% pour savoir où se trouve chacune d'entre elles. C'est fait exprès. Sauvetage du maire, ah oui, putain, elle est chiante celle-là. Eh oui, Paul. Oh merde! Oh! C'est Retro Mario! Merci, Mademoiselle Tokyo. Mais fais gaffe, parce que si tu veux me donner un petit rhum comme ça, ça va pas être les. Je vais pas pouvoir le consommer, hein. Merci, Beb. Ça va très bien, et toi, Retro Mario? Ah, putain, le bordel que ça va être encore. Alors, où est-ce qu'il se cache, le maire? Je sais même plus où est-ce qu'il se cache. En plus, il y a des courants d'air qui nous font chier absolument partout. Alors, c'est pas ici. Il ne se cache pas là. Alors, je me rappelle que ce niveau-là, j'en avais sacrément chié à l'époque. Et qu'en fait, il était pas si dur que ça. Ah, on n'a plus le droit de parler de tortue non plus. Hein. C'est... En fait, on n'a plus le droit de parler sur le live. Il y a trop de sujets qui fâchent. Ah, dommage, Retro. Bah, au moins, tu pourras regarder la jaquette, t'es jolie. Salut Mister Studio, salut Nathan V. Non, pas sur Stitch. Pas sur Twitch, Nathan. Et j'ai pas Insta Stitch. Alors, par où qui c'est qu'il faut passer? Peut-être par là-bas en remontant le fleuve. Alors, le maire. Non, je sais vraiment plus où il se planque en plus, c'est ça le pire. D'ailleurs là je crois qu'il y avait une astuce, c'était d'aller dans l'eau et puis après on pouvait faire la toupie pour foutre des... pour foutre de l'eau un peu partout. Le poisson non plus bête parce que ça me fait penser au niveau sous-marin dans les jeux de plateforme et j'aime pas les niveaux sous-marins. Lina Life qui me demande comment voir avec tes yeux. Non, c'est quoi la vraie question Lina? Salut Gamer Fate. What if you go through Orangera? Bah, so I wanna burn. Oui, Jadoune, comme je t'ai dit juste avant. Non, je te jure, Jadoune, je t'ai déjà répondu à ta question. Rembobine 2 minutes avant, tu verras que j'y ai déjà répondu. Alors, peut-être pas par là. Paul, toi qui es le pro des Mario, te souviens-tu où se planque le maire? Parce que là, j'ai vraiment un trou. En plus, il y a personne qui nous donne l'info. Dans le jeu, ils sont pas gentils. Bah, je l'ai acheté il y a plus de 15 ans, Lina. Ah, peut-être par ici. Ah, ouais, je crois que c'est par là. Va voir du côté de la mairie. Merci, inspecteur Quacky. Tu mérites super bien ton grade d'inspecteur. Désolé, mais ça me tue. En fait, ce qui me tue, c'est pas ce que tu m'as dit, mais c'est le pseudo qui va avec, ça tue tout. Ah, putain, sa mère. Je me suis fait piéger. Je savais pas que ça allait se péter la gueule. Hein, le maire est un champignon? C'est quoi cette histoire? Ouais, c'était bien la grille où j'étais juste avant, Paul.
Putain, je me rappelais pas de cette histoire de champignons. Attends, tu m'as dit quoi, Tété? Ah, bonjour, Tété. Non, c'est... Je fais pas exprès, mais... Non, mais les gars, si vous... Encore une fois, si vous voulez, je pose la manette, on fait... On joue pas aux jeux vidéo et je discute avec vous, mais... Mais... Je tourne ma tête 30 secondes, Tété, et il y a déjà plus aucun message de la page d'avant, donc je suis vraiment désolé, mais il y a beaucoup de gens qui parlent. Du coup, je vois pas forcément les messages de tout le monde, encore une fois. Salut Sacha Gaming. Je fais comme je peux pour pouvoir essayer de répondre à un maximum de monde, mais il y a certains trucs que je ne vois vraiment pas passer, malheureusement. Mettez-vous un peu à ma place. Est-ce que vous avez déjà essayé de lire un bouquin en jouant à un jeu vidéo? Bah là, c'est exactement ce qui est en train de se passer quand j'essaie de vous répondre sur le live. Salut Super Végéto. Salut Matt Playing. Enfin, moi je regarde vraiment à des moments où où j'ai le temps de tourner la tête 5 secondes, hein, mais malheureusement je suis encore désolé. J'ai pas de secrétaire pour me lire tout ce qui est marqué sur le chat, ce qui est d'ailleurs dommage. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Merci Gaëtan. Ah désolé, j'essaie de faire en allant, Tété. Je te jure sur mes 10 doigts, et pourtant je suis musicien, que j'ai vraiment pas vu ton autre message. Je cherche pas à foutre devant à qui que ce soit. Tu te doutes bien. Hop, je crois qu'il doit être ici, non? Enfin, peut-être plus dans la largeur, parce que sinon je vais sortir et je vais me prendre le feu directement. Oh putain, non. Attendez. Ah, il y a peut-être moyen. Attendez, il est par où? Ah, si... ah, il est sur le champignon doré, d'accord. Moi, ce que je comprenais, c'est que vous me disiez que le maire c'était un champignon doré. Et du coup, je me dis, putain, je me rappelais pas que c'était un champignon. Je comprenais pas. Ah, putain de merde. Non, mais voilà. Oh, mais sérieux, mais. Oh, mais. Bouge! Non, j'ai pas la Switch, Nina. Oh putain, je vais mourir. Mais j'arrive pas à monter sur ce putain d'arbre. Je sais, Gamer Fate, je l'ai acheté. Et j'en ai profité pour prendre aussi un autre jeu qui m'intéressait bien, qui est un petit jeu indépendant. Je crois qu'il est indépendant, mais enfin c'est un petit jeu de plateforme. Ça tient en un mot avec un petit diablotin rouge sur la sur l'image. Salut Poncho. Bah si tu veux, dédicace, Matt. Matt Playing. Mon jeu préféré, Stylax, bah je sais toujours pas lequel c'est, alors je continue à dire Morrowind. Oui mais attends, mais Tété, regarde. Alors je vais être sur... Regarde Tété. T'es d'accord que je lis le message juste en dessous du tien? Mais du coup, la même personne qui a marqué le message en dessous encore va me dire « Mais t'as pas lu le mien non plus !» Et celui d'encore en dessous « Mais le mien non plus !» Mais le mien non plus. Encore une fois, quand il y a 10 messages toutes les 20 secondes, le temps que je réponde à une personne, il y a deux autres messages qui apparaissent. C'est ça le gros souci, Tété. Non, franchement, enfin, je suis vraiment désolé, mais à force de voir vos messages en mode tu me fous des vents, tu me fous des vents, et réponds, franchement, il y a des jours où je me dis peut-être que faudrait que j'arrête de mettre le chat sur les jeux vidéo, parce que soit vous m'engueulez parce que je réponds pas, et c'est pas une question de volonté, je fais tout ce que je peux, soit vous m'engueulez parce que je me concentre pas assez sur le jeu et que je suis pas bon, parce que justement je me concentre trop sur le chat. Donc franchement, je commence à me demander s'il faut que je continue à mettre un chat sur mes lives, parce que moi j'adore discuter avec vous, mais franchement encore une fois je suis pas du tout là pour me prendre la tête avec vous les gars. Je joue sur GameCube, Mister Sodio. Et du coup je suis en train de rater les messages de Paul qui essaie de m'aider, parce que du coup je suis en train de répondre à tous les autres messages pendant ce temps là. Et du coup je suis en train d'encore faire de la merde sur le live. Désolé Paul. Thank you.
Hop là. Voilà, là ça se pète la gueule. Alors là j'ai horreur de ces tortues là. Oula, ça a été just. Ok. Ah mais t'étais, encore une fois je fais le maximum d'efforts, franchement mettez-vous à la place les gars. Soit je réponds à personne, soit je réponds à ceux que je peux, mais je peux vraiment pas répondre à tout le monde. Salut Zonoapix, ça faisait un petit moment en effet. Ou sinon il faut mieux vous doser et parler un peu moins souvent, ou sinon je me retrouve à faire des blocages, à ralentir le chat pour que chacun ne puisse mettre qu'un message toutes les deux minutes. Mais dans tous les cas vous êtes jamais content, donc je vois pas ce que je peux faire de plus à... Voilà. La liste des solutions, c'est soit vous parlez moins souvent, soit je ralentis le chat, soit je coupe le chat, soit vous me laissez le temps de respirer entre deux sessions, soit vous m'engagez une secrétaire, soit j'arrête les lives jeux vidéo à tout jamais parce que dans tous les cas, vous n'allez pas être content. Encore une fois, je fais vraiment pas ça pour vous emmerder et encore une fois, il faut voir. Ah non, je peux pas vous parler en jouant, les gars. Je suis vraiment désolé. Et puis Paul il essaie de m'aider un peu comme il peut, mais le souci c'est que Paul, je suis en train de rater tous tes messages parce que je réponds à tous les autres messages. Je suis désolé Paul. Tu sais Manon elle a aussi un métier hein Tété. Alors attends, il faut faire le tout le tour et prends la première grille dans le terrain d'herbe, c'est la plus simple, d'accord. Par à droite, Polté. Ah bah je t'ai déjà répondu juste avant, Sacha. C'est Red Pestcraft. Bah je donne principalement des cours de guitare, de basse et de chant, fantastique musique. Mais je suis multi-instrumentiste, je fais pas un instrument différent. Voilà, donc Paul qui m'a dit de faire tout le tour et d'aller dans la première grille qu'on trouve dans l'herbe. Et Paul, je lui fais confiance, il me donne toujours d'excellents conseils. Donc là, on va pas prendre cette grille là. Reblé Laetitia. Ah, je t'ai pas vu ce matin, j'avais pas que t'étais passé. Thanks, Korean Guy. Et voilà, encore une fois, c'est juste pas pour me prendre la tête avec vous, mais voilà, je vous apprécie tous. J'aimerais bien répondre à tout le monde autant de... C'est pour ça que je fais... Justement, c'est pour ça que je fais une FAQ demain soir, parce que bon... Je pars du principe qu'on en a déjà fait une il y a 2-3 semaines. Pour les 2000 abonnés. Mais il y a tellement de personnes qui m'ont redemandé des trucs en tout temps. Voilà, c'est-à-dire que si on prenait le temps de pas trop mettre de hors-sujet pendant les lives... Pour moi, bourrer le chat et qu'on les mettait plus sur le FAQ, ben ce serait aussi plus simple pour tout le monde, je pense. Merde, saute, voilà. Alors, est-ce que c'est bien ici? Ah, non. Ah, si, il y a le champignon qui est par là-bas. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Youhou! Ouais, c'est bon. Merci, Paul. Ah non, c'est pas le but de la chaîne, Sacha. Mais je vous ferai très bientôt. J'attends de pouvoir monter mon nouveau PC. Parce que le souci, c'est qu'avec tous les lives que je vous fais, j'ai toujours pas eu le temps de finir de monter mon nouveau PC. Pour vous faire du Rocksmith carrément en live, donc je pourrais vous faire de la guitare sur un jeu vidéo avec une vraie guitare électrique. Ah, attendez, là faut pas que je me foire. Voilà. Oh, cool, j'ai récupéré mon jetpack. Et là, comment que je fais pour aller tout là-haut? Est-ce que si je fais ça? Non, ça suffit pas. Juste comme ça. Accroche-toi, non il veut pas. Alors
Merde. Attendez. Là, faut pas que je me foire. Parce que si je retombe, là, par contre, c'est la mort. C'est de la peinture de lave, c'est pour ça. C'est pour ça, Reaper Sense. Alors, attendez. Ah, putain, merde. Attendez, est-ce que si j'essaie d'ici, ça marcherait pas, tout simplement? Non. Non, j'arrive pas, le truc qui m'empêche de sauter. Comment j'avais fait à l'époque pour réussir à monter tout là-haut? C'est Uzumaki, pas de soucis. Ah bah pourtant je t'avais vu ce matin Rémi The Geek. Ah non, c'est la chaîne de Rémi que j'ai vu ce matin. Non, oui, ça faisait depuis un petit moment que je n'avais pas vu Rémi The Geek en effet. Désolé, j'ai confondu entre deux pseudos. Merde. Paul, aurais-tu un petit conseil? Salut Stéphanie, ça va bien et toi? Non, attendez, comment je peux faire ça? Parce que là, si je le fais d'ici... Merde. Il manque 3 fois rien, il manque 10 cm. Merde, merde, merde. Pas sur un champignon en hauteur, pas loin. Ah, le souci, c'est que les champignons en hauteur, ils sont tous un peu loin en fait. Malheureusement. À part si j'escade le truc là-bas, mais je sais pas si c'est possible en fait. Attendez, sinon, il y a un autre moyen si je fais. Non, non plus. C'est mal foutu. On va essayer de la... Non, ça me paraît un peu loin là-bas quand même. D'aller sur le champignon tout là-bas. Ah non, ça va parce que c'est vrai que le truc il me propulse un peu en avant en fait, mine de rien. Du coup je pensais qu'il était trop loin mais en fait ça allait, donc du coup ça veut dire que dans le temps ça devrait marcher également. Quoique le... Hop. Hop. Oui, de justesse, c'est bon. Putain, ouais, les sauts dans ce Mario-là, ils sont vraiment au poil de cul. Hein. Ouais, mais le truc d'impulsion, je l'ai pas sur moi, Clément. Il faut le trouver sur la map, et là, dans la map, il y est pas. Mario 3D préféré, sûrement Galaxy 2, Noob Tower. Ah, le tourbillon, j'y avais pas pensé. Mais il fait pas sauter très haut, le tourbillon. Merci, les gars. Ah moi mon problème c'est pas de te faire confiance Paul, c'est de... En fait j'ai toujours peur de mal comprendre ce que t'essaies de m'expliquer. Parce que des fois t'essaies de m'expliquer un truc qui paraît très très simple. Et c'est vrai que par écrit c'est toujours difficile d'expliquer, j'ai peur de faire une connerie derrière. Le bain du chum déchaîné. Alors... non, One Hand, Paper Mario 2, je l'ai déjà terminé à 100% il y a pas si longtemps que ça aussi. Je ferais plutôt le 1 si j'ai un Paper Mario à faire. J'ai pas assez de... Mais voilà, c'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer avant. Si vous posiez un peu moins de questions hors sujet pour par exemple les garder pour la FAQ de demain soir, pour moi ce sera plus facile de répondre à tout le monde pour les gens qui posent des questions par rapport au live. Parce que là j'ai que des questions. Et est-ce que tu vas faire... Est-ce que tu as fait... Est-ce que... machin... Et du coup, ben, je suis désolé mais c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu plein de fois et c'est des questions auxquelles il serait bien plus facile de répondre sur la FAQ de demain soir par exemple. Alors, ok, donc pas de problème pour y attacher, mais une fois libéré, ok. Alors, donc qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Qu'est-ce qu'elle dit à madame qui est pas contente? Alors, la source d'eau chaude. Ok, donc déjà on va chercher... Ah oui, elle est chiante la source, elle est pas tout près. Elle est... Juste en bas du grand arbre. Putain, en plus cette map elle est toute conne mais j'arrive à me paumer à chaque fois, elle est là-bas normalement. Si je dis pas de bêtises, le chomp il faut juste hop l'amener là-bas. No current guy, I'm playing it on the original support, which is the GameCube. Ah bon?
Putain, oui, en effet, je. Bah, ça doit être le seul Mario où c'est le cas alors. Je savais pas que. Je me rappelais pas que le tourbillon faisait sauter aussi haut. Et je me rappelais même plus qu'il y avait le saut tourbillon pour tout vous dire. Ok. Donc, est-ce que là je peux le ramasser ou pas? Je ne sais plus ce qu'on est censé faire. Ah, voilà. Parce que du coup Poké Park, j'en ai entendu parler mais je ne l'ai pas du tout, Stéphanie. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec mon accent anglais, les gars? Je sais jamais comment je dois le prendre. Merde. Ok, il me tombe pas dessus les trois premières fois, mais par contre il me fait mal après. Logique. Merde, merde, on est juste à côté, reviens. Putain, j'arrive pas à... Reviens, reviens, on y est. Voilà, on va essayer de tirer. C'est con, on était juste à côté. Allez, viens, c'est là. Allez, on y est. Fais pas l'enfant. Viens prendre ton bain. Allez. Chompi. Et voilà, il repique sa colère. C'est parce qu'il est fatigué, je pense. Il a envie d'aller au dodo. Merde. Ah, ta mère. J'aurais dû enfoncer le clou et puis revenir plus tard, en fait. Bon, attendez, on va le laisser avancer un peu. On va le re-rapprocher du truc. Oh, we should call only the charm, the chain is... we don't have to call it. Merci Tsubasa, serait-ce des avances? Oh putain, merde, et puis moi qui dis de la merde au lieu de me concentrer. Allez, là on est quasiment à côté du... Hop. Voilà, c'est bon. Merde, non mais sérieux. Voilà, là si je me dépêche assez, j'ai le temps de l'apporter là-bas. Appelle-moi Philibert Tété. Merde, ah c'est bon, voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Salut Foxy FNAF, bienvenue à toi. Et voilà. Hard perso game coffee, on a dit pas les mamans. Rendez les mamans des abonnés, c'est ça. Ouais, il est pas très gentil le tchoum, en effet, Laetitia. Alors, allez, on y retourne. Ouais. En effet, il s'est transformé en or, on va pouvoir leur vendre très cher. Puis prendre des vacances. Alors. Oh merde, le secret du monde du dessus, ça va vouloir dire qu'il va falloir faire une zone de plateforme sans jetpack. Je le sens pas très bien. Alors, Paul, je t'invoque. Où faut-il que j'aille? Non, parce que ouais, là ici je me rappelle qu'il y a un truc à la con. Le secret du monde du dessus. Il faut que je fasse quoi? Je crois qu'il faut que je récupère le Yoshi pour ça. Et pour ça il va falloir que je récupère le fruit avant. Et les fruits sont très chiants à trouver malheureusement. La pastèque. Tout
Tsubasa qui trouve Philibert, c'est trop classe comme nom. Je sais pas, moi, on me dit Philibert, je pense tout de suite Philibert le ver de terre ou Philibert le hamster ou Philibert le haricot vert. Du coup, c'est un nom que je trouve assez marrant. Bien joué, Fantastic Music. Alors attends, relis ce que tu viens d'écrire, Tété. Pour atteindre le truc de plateforme, c'est de plateforme, mon cher Sigibert. C'est un peu compliqué. Simulator, Crayon Guy. Alors, où est-ce que je peux trouver une putain de pastèque? Paf, pastèque. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent cette vieille référence du paf pastèque. Si oui, ça me ferait vachement plaisir. Attendez, il y a un arbre là-bas. Il y a un arbre qui fait plusieurs fruits, on dirait même. Putain, mais il est magique, cet arbre, il fait des bananes, il fait des poires, des... Enfin... Attendez, parce que la caméra, elle fait de la merde. Voilà, je crois que c'est ça qu'il me fallait. On retourne voir le Yoshi. Voilà, il a sûrement des petits-fils justement de Tsubasa, donc ça fait Philibert le grand-père, voilà. C'est QFD. Merci Noah Pic. Alors, est-ce que c'est bien ça que tu veux? Ah bah voilà. Ah, merci pour l'abonnement. Ah, c'est bon, en effet. Alors, je crois qu'il faut tout simplement que je descende par là-bas. Voilà. Faut vraiment que j'en fasse du Yoshi Story, un de ces 4 sur 64. Un de ces 64 du coup. Pas facile à maîtriser le saut de Yoshi dans ce Mario là, mine de rien. Voilà, je crois que Yoshi il peut pas s'accrocher aux grilles, donc il va falloir continuer. Au niveau des champis, bordel, sérieux, mais avance, bouge ton cul, Yoshi. Salut, comique. Salut, virus. Bienvenue à toi, virus. Salut, Alfie. Ouf. Vous avez fait un live sur Yoshi's Story il y a quelques mois, mais le live avait tellement bugué, mon dieu. Salut Arceus. Allez, on retente. Faut que je fasse gaffe, en plus c'est ma dernière vie. C'est ça, faut pas chercher la logique. Bon, cette fois-ci c'est un nanana. Na na na. Putain, et du coup, mais les pièces bleues, ça te fait pas plus chier que ça, l'histoire des pièces bleues, Paul, vu que tu l'as terminé 10 fois à 100%? Et putain, s'il y a bien un truc qui me gâche le 100% de ce jeu-là, c'est la chiantise des pièces bleues, quoi. Ah non, c'était un ananas qui voulait pas des bananes. Voilà, il est là. Bonjour, caméra, qui fait chier? J'ai perdu mon ananas. Me dites pas qu'il est tombé dans le trou quand même. Bon, on va aller voir dans le trou. Non. Sérieux. Ouais, c'est un peu le principe, Tété. Allez. Sérieux. C'est ça que je trouve dommage, c'est que on a un deuxième stick pour faire la caméra sur la GameCube. Et malgré ça, la caméra est quand même très difficile à gérer. Sérieux, la nana il est passé où? Ah bah, il est encore là. Pourtant, j'avais éjecté. Oh, mais putain, j'ai pas envie de passer un live à faire une chasse à la nana, quoi. Ah.
Ouais, non, mais c'est la pièce bleue où il faut. Enfin, franchement, les pièces bleues, pour moi, je trouve ça totalement impossible à faire à 100%. Non, c'est toujours pas là. À 100% sans Solus, parce que la pièce bleue où il faut arroser la lune d'un point spécifique de la map. Enfin. Le premier mec qui a découvert ça, je me demande comment il a fait, quoi. Bon, sinon, en vrai, mon ananas, il est passé où? Sérieux. Vous savez pas où il est passé, l'ananas, les gars, sur le chat? Vous auriez pas vu un ananas, il fait à peu près cette taille-là. Et il est couleur ananas, genre comme un ananas, quoi. Mais... en plus ananas. Bon, sinon on attend parce qu'a priori les fruits repoussent très vite. Ils ont trouvé la solution de la fin de... pour lutter contre la faim dans le monde. Tant mieux. En fait, il y a tous les fruits qui repoussent sauf mon ananas. Du côté opposé du champignon rouge, me dit Blazer du 81. Côté opposé du champignon rouge. Alors, champignon rouge, il y en a un là, c'est celui-là. Bah, il y en a plein des champignons rouges en fait. Il y a un autre arbre pas loin, on me dit. Il y a un autre arbre pas loin, bah on va voir l'autre arbre. Il est où l'autre arbre? Il est où? Alors, donc là on en a un. Et l'autre il est, l'autre il est, l'autre il est. Bah, je vois pas où il est l'autre arbre. Bon, là il a dû repousser mon ananas à force d'attendre, hein. On va directement aller le rechoper. Voilà, hop. Putain, mais la caméra qui bloque. Merde. Ouais, sérieux, y a pas moyen de choper les fruits sans qu'ils se barrent en courant. Sérieux, j'en ai marre. On fait pas un autre... Vous voulez pas qu'on passe à un autre niveau? Wanted, ananas, pineapple. Inspecteur Quacky, fais quelque chose. Retrouve-moi cet ananas. En plus, il doit se sentir seul et terrorisé dans cette grande ville. Non, sérieux, il s'est barré où? Attendez, j'ai tiré par là-bas, donc normalement, il s'est tiré par... Il a dû se barrer par là. Mais aucune trace de ananas. Bon, il a déjà repopé, donc. Ok, en fait, j'ai pas besoin de l'arroser, je peux juste rentrer dedans et il tombe tout seul. Salut, Constant Gamer. Et toi, c'était quand le moment préféré du live de Kofi, t'as trouvé? Ah, moi, j'ai adoré le moment avec l'ananas, hein. Franchement, épique. C'était une histoire très sentimentale. Un ananas qui en avait marre du rythme de la ville, qui s'est enfui, qu'on n'a plus jamais retrouvé. Il est parti se faire des nouveaux amis. La papaye. Bon, j'espère que ce coup-ci, il va pas me faire un fail à la con, parce que tout à l'heure, il sautait, mais il avançait pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de choper la vie directement avec la langue? Parce que là, je vous avoue que je suis un peu en manque de vie. Non mais genre, tu peux pas bouffer la vie, quoi. Ouais, non, j'ai peur de me failer en la chopant. Parce que moi, je veux pas me retrouver encore à combattre contre un ananas sauvage, là. Vous avez vu ce que ça donnait tout à l'heure. Alors hop, on va bien prendre de l'élan. Voilà, c'est bon. On va quand même prendre la vie là-bas. Yop là, yes. Et là, du coup, ça, on peut le virer avec du jus de fruits. D'accord, inspecteur. Inspecteur Quacky a retrouvé le premier ananas. Ça va très bien et toi, Constant Gamer? Voilà. Salut King Maxime. Qu'est-ce qu'ils foutent ici, ces mecs? Oh merde, non. Non, ça me revient.
Ça me revient du pourquoi ce passage-là, c'est juste la mort. Ça me rappelle une map sur Mario 64 avec les trucs qui vous projettent de la même façon. Alors il faut trouver un lanceur en arrière. J'espère que c'est lui. Ne te retiens pas. D'accord. Donc là en fait fallait que j'attende qu'il ait un peu plus avancé par exemple. Salut Chris. Fallait que je prenne le petit hein. D'ailleurs il y a pas un champignon qui traîne ici parce que je veux pas vous paniquer. Ah bah si, y en a un là-haut. Je vais pas vous paniquer mais je crois que je n'ai plus de vie. Donc si on pouvait éviter. Lui il veut pas lancer en haut par hasard. Non, il y a moyen qu'il me file le champignon. Allez, vas-y, lance-moi. Lance-moi. Oui. N'empêche, les mecs ils sont là, ils se baladent et puis ils attendent juste de pouvoir te balancer en l'air. Normalement celui-là. Ah merde, il m'a trop envoyé en... Ah putain, c'est con. En fait, je vais parler en biais. C'est Oompa. Non, franchement, ces niveaux-là, ils m'en tout en général. Reflamiez-vous. Ah, j'ai raté le champipi. Il est agile, le fourbe. Voilà. Allez, on va l'attendre là et on va essayer de lui parler un peu plus droit que tout à l'heure. Allez, et Macarena, voilà. J'attendais qu'il se retourne. Voilà. Et là, normalement, ça devrait être bon. Ah putain, toujours trop en pied. Salut, End. Non, j'adore parce que les mecs en fait ils sont juste là à attendre qu'il y ait quelqu'un qui passe pour le balancer. Et ils ont rien d'autre à faire de la journée quoi. Ils sont là juste pour ça, ils attendent. Surtout s'il y a un petit mec moustacheux qui passe, vous le lancez, d'accord. Mais seulement s'il vous parle hein. Bon, raté. On retente. Non, normalement le grand ça marche, mais il faut juste bien viser. Le petit, je crois qu'il balance pas assez loin. C'est un piège, justement. Voilà. Parce que le grand, en fait, il balance bien, mais à condition qu'il soit assez loin. Et hop là. Voilà, il faut bien être en face, en fait. Mais reviens-toi. Ah, oh, trop tard. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Le problème c'est qu'il m'a un tout petit peu poussé quand même, donc j'espère qu'il m'a pas poussé, voilà, dans le mauvais sens. Alors lui c'est un lanceur en l'air à mon avis. On va attendre qu'il avance un peu, sinon je pense qu'il va m'envoyer sous la plateforme là-haut. Ouais. Hop, trop loin. Barre de perso game. Bonjour, Patrick, 34 ans, lanceur professionnel à plein temps. C'est tellement ça. D'accord, super végétaux. Moi, depuis tout petit, j'aime bien lancer. Mon papa aussi était lanceur, mon grand-père était lanceur. Par contre, mon arrière-grand-père était rattrapeur. Non, j'ai même pas touché au stick, c'est ça le pire, Paul. Donc là, il va falloir que je donne un petit coup de stick vers le bas pour qu'il aille un peu moins loin. Salut Zaina.
Oh, je crois que je suis un peu trop à droite. Ouais, j'étais trop à droite. En fait, il m'a poussé et du coup, ça m'a décalé sur la droite. Faut pas que j'attende qu'il me pousse. Ouais, c'est ça, enfin... Mario, on lui aurait foutu une cape de Batman plus tôt, ça aurait été mieux, quoi. Ça va très bien, et toi, Zaina? Allez, cette fois, c'est la bonne. On va tout déchirer. Oh putain, ouais, j'ai failli me foirer, quand même. Attendez, là, je suis un peu trop à droite. Là, ça devrait être bon. Voilà, bien. Alors toi, hop, tu vas éviter de m'envoyer trop loin ce coup-ci. Mais reviens! Oh. Il est fâché. Bon, on va mettre le joystick un peu en arrière pour pas qu'il m'envoie trop loin. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon. Tiens, lui, il me fait peur. Ah, ça va. Review game. C'est enchanté, Thomas. Merci, Antoine. En effet, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, à gauche, nous avons une étoile, et à droite, nous avons rien. Cruel dilemme. En même temps, je crois qu'on est obligé d'aller à droite parce qu'il peut pas nous lancer de l'autre côté parce que celui de l'autre côté doit nous lancer plus fort et... Ah non, quoique il fait le tour là. C'est bon. Faut juste être bien placé à mon avis. Et pourquoi ils ont mis une plateforme de l'autre côté si... Oui! Bah franchement, je pensais que ce serait beaucoup plus galère finalement. Salut YouGaming! Ah, merci pour l'abonnement! Bon! Allez, on retente un petit soleil par ici. On se rapproche de l'anti-Mario, mine de rien. C'est tellement ça, Gardy. Épisode 6, les 10 piantas en danger. Ah oui, putain, je crois qu'il faut arroser des mecs. Oh, c'est mignon, ils se sont retrouvés sur le chat. King Maxime et Thomas Lapin. Alors, ok. Allez, go! Go go Super Mario! Alors où est la lave? Go go gadget de jet d'eau! Voilà! Voilà, hop! Merde! Oh putain, genre. Il a marché dans 2 cm carrés de lave et il est en train de brûler sa mère. Ok. Oh, elle a perdu sa maman. Elle est en train de brûler vive dans la lave. 3 fois rien. Voilà. 4. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Hop. Cinq. Y'en a d'autres dans le coin ou pas? Là-bas. Et on va essayer de couper par ici. Merde, je vois rien avec la feuille. Hop, 6. Sept.
8. Allez, plus qu'une minute pour en trouver deux. Ah, il y en a une là-bas, j'ai vu. Il y en a encore une derrière, je crois. Neuf. Et là-bas, normalement, la dernière personne. Je crois que j'avais galéré quand j'étais gosse à faire cette mission-là. C'est le pire. A priori, il n'est pas si compliqué que ça. Voilà. Bah, nickel. Et maintenant, je crois qu'il faut retourner voir le maire. Bah, il est passé où le maire? Oh! Tag Mario! C'est qui le daron? Oh putain, la gueule avec les lunettes de soleil. Par contre, ouais, là, l'écran du coup est devenu beaucoup trop sombre pour moi. En effet, Thomas. Du coup, il est sûrement au début du pont. Je pensais qu'il était devant le pont, pas derrière en fait, Paul. Je me suis dit, c'est pas le mec qui est en train de paniquer dans tous les sens en courant en zigzag. Bah si, c'est lui le maire. C'est qui le maire? Bah, c'est le mec qui est totalement paniqué là. D'accord. Hop, petite sauvegarde. Nickel. Merci Phil Game. Allez, combat contre Anti-Mario, puis comme ça après on passe à un autre niveau. Hop là. Ah, je sens que l'anti-Mario d'ici va être légèrement relou. Mais juste légèrement de rien du tout. Ah merde. Il a des problèmes de fuite, on dirait. Il est passé où? Là-bas. Check, t'es là. Merde, il est passé où? Non, il est pas en train de tout monter, si. On dirait bien. J'ai pas vu par où il s'est cassé. Putain, la caméra qui bloque, ça je comprends pas. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Bon, le plus simple, ça va être de... Ah, par là-bas, non? Putain, j'arrive pas à le toucher une seule fois, quoi. Non mais sérieux, des fois le jet d'eau lui passe à travers quoi. Voilà, genre là. Ah bah voilà. Encore une victoire pour Canard. Et voilà. Ah, on est encore loin de l'avoir fini, Uzumaki. Non, je ferai pas de plantes versus zombies, Constant Gamer. Encore une fois, si vous avez des demandes de jeu, marquez-la dans la liste qui est dans la description de chacun des lives. Merci Constant Gamer pour ton abonnement.
Oh, chacun ses goûts, virus. Moi, je suis pas du tout sport télévisé et tout, enfin. Mais je comprends très bien qu'il y ait des personnes qui puissent apprécier le Tour de France. Alors. Bah, attendez, la plage est pas trop loin, on va en profiter. Il nous reste quoi à faire à la plage? À part des pâtés. Hop là. Merci Thomas. Salut Stéphanie. Ah bah anti-Mario à la plage, ça fait un peu Martine à la plage, Martine à la montagne. Anti-Mario fait du ski, anti-Mario à Delta Plane. Anti-Mario sauf une fois au chalet. De le rattraper un peu. Ça va, il est pas trop chiant là. Il fait beaucoup d'acrobatie mais pour pas grand chose. Il est où? Il y a. Merde! Je lui ai tombé dessus littéralement. Du coup, j'ai pas vu par où il est parti. Non, il est pas reparti par là-bas. Si. Il est toujours pas mort là. Merde. Ah, il est redescendu. Allez, mais c'est bon, je t'ai touché là. T'es pas l'enfant. J'ai presque plus d'eau avec tout ça. Ah, si, ça va, j'ai encore une petite moitié. Ah, bah voilà. C'est bon. Donc, en fait, pour pouvoir accéder au boss final, il faut battre tous les anti-Mario. Donc, à chaque fois, ils sont planqués au niveau 7 de chacun des niveaux. Donc, on a encore de quoi faire. Ça c'est dans Virus, ça c'est dans XSplit, il y a une option, enfin il y a un add-on qui te permet de mettre le chat YouTube. Bah Constant Gamer, encore une fois, les jeux que tu veux proposer, tu peux les proposer sur le formulaire qui est dans le descriptif. Ça me permet d'avoir une vue sur tous les jeux qu'on me demande. Plutôt que, voilà, sur un live, de suivre le live et de suivre ça et puis l'oublier 5 minutes après quoi. Salut Proto Gaming. Moi ça me permet de garder une trace et puis d'y rejeter un petit peu de temps en temps. Bah là, quasiment tous les jeux que j'ai pour juillet août, ce sont que des jeux que vous m'avez demandé une ou plusieurs fois. Alors. Ah c'est dommage Stéphanie, bah profite bien. Mais bon, je suis sûr que tu vas passer des super vacances. Mega Bloops contre-attaque. Eh oui, car on attaque. Quand on attaque Mega Bloops. Mega Bloops contre-attaque. Salut Zerato. Ah, ça faisait depuis super longtemps Zerato. Alors. Comment on va faire pour aller tout là-bas? Non, c'était par où exactement? Je crois que c'est tout là-haut, non? Non, c'est pas là-haut. Merde, j'ai pas bien compris où est-ce qu'il y a la plateforme à mon milieu, d'autres. Juste un peu plus loin. Hop là. Bon, non, il y a même pas besoin de me faire chier à mon avis. Faut juste que j'aille faire là-bas. Merde, raté. Ah! Merci Xushi pour ton abonnement. C'est sympa. À ce point-là, Paul, tu me rassures pas. Alors, où faut-il que j'aille? Par là-bas, d'accord. On voit la crête du poulpe.
Alors. Hop là. Voilà. Yes. Et là normalement avec un peu d'élan. Merde. J'ai glissé, chef. Alors, on la refait. Alors là, normalement, avec un peu d'élan. Voilà. Allez, pas de bras, pas de chocolat. Allez, on débouche le poulpe. Bah, il aurait fallu me dire ça avant, Tété, parce que là j'ai récupéré plein de soleils optionnels, malheureusement. Juste pour vous faire plaisir en plus. Maintenant bah, il faut lui flinguer les deux premières tentacules avant, sinon c'est trop chaud. Voilà, hop. Merde, pourquoi il lui a pas attrapé? Voilà. Non mais sérieux. Voilà. Voilà, de 1. De 2. Et la petite dernière. Heureusement qu'Arnold n'est pas là, sinon il aimerait pas ce passage là, je pense. Bah ça me fait penser à Arnold Paul justement. Ah c'est dommage là. Tu pourras toujours revoir les rediffs après. Le jeu, j'ai dû le terminer deux fois ou trois fois, dont une fois à 100% Kirbou. Et bienvenue à toi. Ah, j'ai déjà goûté le calamar, c'est spécial. Hein. Au revoir à tout le monde à part au charcutier. C'est quel charcutier, Stéphanie? Merci Xushi. A plus Oussam. Ah oui, mais tu m'as dit calamar, pas tentacule. C'est pour ça. Alors Paul m'a dit que le prochain soleil était horrible. Salut Emily. Ah putain, oui. D'accord, je vois. Oh merde, 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 merde. Non, franchement, celui-là, il est abusé comme... Je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui étaient là au premier live Mario Sunshine. Mais là, ça va pas être tellement mieux. Hein. On va prendre le rose, je crois que c'est le plus lent, le rose. En plus, c'est avant la fin du temps imparti. C'est même pas vous mettez le temps que vous voulez, non, c'est avant la fin du temps. 2. Ah merde. J'en ai raté une. Ah, j'en ai raté deux. Donc celle-là, c'est censé être la quatrième en vrai. Hop, 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 hop. Je fais de la merde. J'ai pas vu que ça s'est barré du coup. Hop. Allez, s'il y a moyen de faire un petit demi-tour. C'est négociable ou pas? Bon, j'ai récupéré les deux premières. Après les autres, je sais pas où je suis censé les rattraper, les trois dernières. Oula, oula, oula. Je ne sais pas comment je suis encore vivant, mais je le suis. Putain, elles sont où les trois dernières? Elles sont où les trois dernières? Elles sont où les trois dernières? Il y en a une là. Merde. J'ai pas eu. Il y en a une là. Oui. C'est du bol, mais je l'ai eu. Oula, merde, 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 merde. Ah, chier. Ah putain, c'est lequel le plus lent? C'était pas le rose le plus lent? Je ne sais déjà plus, Tété. J'ai dû en battre deux ou trois. Salut Chun. Salut Emma. D'accord, Zerato.
Tokyo Drift. Ah, c'est gentil, Zorato. Mais c'est bizarre, je t'ai pas vu sur les lives Twilight Princess. Hein. En plus, je sais que t'as mis à Zelda. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire one hand, mais malheureusement, en fait, le. C'est ça qui est marrant, c'est que sur ma belle télé, la GameCube s'affiche très flou. Et du coup, j'ai l'impression que. Enfin, même les pièges, j'ai du mal à bien les voir, en fait, à bien les distinguer. Jaune rapide vers long, d'accord, bah je vais prendre plutôt le long alors. Ah, en effet, un poil plus lentement. Mais franchement, quand je vois à quel point c'est flou sur mon écran, à quel point c'est net sur YouTube, c'est super bizarre. 3, 4. Merde. 5. Ah d'accord, il y en a une en l'air là. Ah putain, raté. Alors tente. Merde, elle était juste derrière. Vite, tourne, tourne. Oh putain. Oh, même pas mort. Je sais pas pourquoi, mais même pas mort. Oh mais c'est ta mère. Oui. Encore une là, et encore une entre les deux bateaux après, putain merde. Saute bordel. Non, il veut pas sauter, bon. On va faire une petite boucle, voilà. Merde, raté. Oh putain, je suis en train de rater toutes les dernières. Voilà, plus qu'une. Voilà, putain. Et ce soleil, je l'ai raté je ne sais pas combien de fois parce que je me suis foiré en essayant d'atterrir sur le ponton. Parce que bien sûr, il faudrait encore aller chercher le soleil. Putain. On va y arriver. Un jour. Oh putain, non, non. Ne meurs pas comme ça. Ne meurs pas maintenant. Merde. Ah putain, puis là j'arrive pas à sauter plus haut que ça quoi. Ah bah voilà. C'est bon. Remercie le dieu des bugs qui t'a sauvé. Oui, en effet, là il y a eu plein de bugs où j'aurais dû mourir et je suis pas mort. D'accord, Zerato. Ah non, Constance, j'ai pas encore la Switch. Alors, monde préféré dans ce jeu. Même si c'est pas. Enfin, visuellement parlant, j'aime bien la plage. Même si c'est pas mes missions préférées. En effet, Thomas. Ah, le boss, pour encore une fois, là, pour pouvoir aller battre le boss, il faut déjà que je batte tous les anti-Mario. Donc, je peux pas le faire tout de suite. Merci les gars. Allez, anti-Mario. Et là, on commence à tous se les faire les anti-Mario, mine de rien. Ça se trouve, avec un peu de chance, on va réussir à le finir aujourd'hui, ce jeu. Salut Vanessa, ça va et toi? Alors, sur ce monte-là, je ne sais plus s'il est simple ou pas, anti-Mario. Je crois que je suis en train de commencer à avoir ma réponse. Ah, il est passé où? Sérieux, il est où? Il est pas monté tout là-haut, hein? Rassurez-moi. Si, salaud. Oh, d'accord. Bah, au moins, ce qui est bien, c'est que quand il saute sur une poutrelle, il court droit. Donc, on peut l'arroser comme on veut. Bon, du coup, il était simple. J'ai eu du bol. C'est quoi cette expression? Je sais pas ce que c'est cette expression, Maxime.
Mais je kiffe. On n'est pas là pour boire l'eau des pâtes. Oh, ça dépend, t'as pas mal de jeux Mario qui sont très simples à finir au final, Thomas. Ah, le poisson rose du jeu, oui, celui qui te chope à chaque fois. Alors, voyons voir un peu où on en est niveau soleil. Alors, du coup, les trois premiers niveaux, on a ce qu'il faut. 1, 2, 3. Bah écoutez, il nous reste plus que 3 anti-Mario à avoir. Et on n'a plus qu'à faire le boss après. Bah écoutez, je vous dis pas qu'on va le faire aujourd'hui, mais en tout cas, on s'en rapproche. Hein. Alors, le barrage d'attraction, hop. Ou sinon, il y a l'hôtel juste à côté. Hop, on va faire l'hôtel, tiens. Hop là. Rebasile. Mystérieux hôtel Delfino. Salut The French Kiwi. Bah oui, mais il faut bien la faire si on veut finir le jeu Kirby. Franchement, j'ai horreur de ce niveau-là, mais il faut le faire. Faut se forcer. T'es comme avec les épinards. Salut Lolo, ça faisait un petit moment en effet. Bah t'as raté quelques anti-Mario, Basile. Merci pour l'abonnement, Amir. Allons, ne lombinez pas. Ouais, sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse. Il m'a pas donné d'explication. Hé, chef, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, non. Et bon. C'est quelle mission, ça, déjà? J'ai pas lu ce qu'il m'a dit. J'étais trop occupé à lire le chat. Alors ça, c'est mon E9 à moi. D'accord, Gaëtan. Ah, c'est juste que c'est le premier truc, tu sais, le problème, c'est que je regarde très très vite les pseudos quand je réponds, et puis du coup, en général, je lis le premier mot que je vois. Attends, écoute, il veut un nanana, mais il n'y a pas d'ananas ici. Ah, le casino n'est pas encore ouvert, mais je voulais claquer toute ma thune et puis claquer mon argent dans les putes et la coke. Alors, il y a des fuites dans les toilettes. Allons voir ça. De toute façon, on est plombier après tout. Hein. Y a rien à faire avec les toilettes? Ah, attendez. Si, si. Regardez là-haut. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, Adam, là? C'est imaginé quand tu es arrivé ici par les toilettes. Oh, ouais. Et du coup, là, je vais pouvoir passer au travers, non? Ouais. Ça commence à me revenir, cette mission-là. Alors, ça, je crois que c'est pas une vraie pièce. Ouais. Je crois qu'il faut, ouais, faut passer à travers les panneaux. Ça va faire un bout, oui, putain, ça me revient. Ça me revient, ces missions à la con. Voilà, la dernière. T'inquiète pas, Paul, je m'en sors. Mais le problème, c'est que je reçois tes... Tu dois être en décalage parce que je reçois tous tes trucs en décalé. Du coup, là, on va avoir une plateforme pour là-haut. C'est nickel. Merde. Voilà. Yes. Ah, j'entends une étoile. Ah. On est encore loin. D'accord, lui il dort. Ah, un ananas. Laissez-moi deviner, faut que j'aille récupérer le Yoshi. Que je lui donne ça. Et il va venir bouffer le dernier ennemi, c'est ça. Avant que ce soit l'ennemi qui veuille l'ananas. Je
En effet, Basile. Oh, art perso, enfin. Tu sais, moi je me contente des choses les plus simples dans la vie, la cocaïne, les putes, les tables de blackjack. C'est tout à fait moi. Vous le savez bien, je suis qu'une pourriture. Alors. Peut-être arroser les trucs là, non, non. Non, il y a moyen de revenir en arrière. Donc là, on a plein d'ananas, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est en prendre un pour aller le donner au Yoshi. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah, j'aimerais bien, Paul, mais malheureusement, je ne sais pas par où passer pour aller voir mon Yoshi. Parce que je ne peux pas sortir par ici. Ah, attendez, je vois des pièces ici, peut-être que. Non. On peut pas passer par là-bas. En haut? Ouais, mais ça me paraît trop haut là-haut, non? Surtout que je peux. En portant un truc, je peux pas utiliser ma machine. Bah, par la porte, depuis tout à l'heure, j'essaie la porte, regardez. La porte, par contre, elle est pas d'accord. Si je pose mon ananas et que j'essaie la porte, ça marche pas non plus. Je vois pas. Appuie sur B à la porte. Ah. Ah, en même temps, si, il faut en plus pousser la porte par soi-même. Merci, Paul. Non, mais là, en fait, j'avais essayé juste à... Parce que dans les Mario, on a l'habitude que... Enfin, dans les jeux vidéo, on a l'habitude de se coller à une porte et ça l'ouvre. Et puis là, ça voulait pas. Merci, les gars. Ah, du coup, on n'a plus qu'à faire toucher... On n'a plus qu'à faire toucher avec Yoshi. Ah, normalement il aime pas l'eau Yoshi, mais bon. Bizarre. Ah, on peut pas y aller avec Yoshi? Attendez, il y a un truc là, par là-haut, j'ai l'impression. Ouais. Ah. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais il veut pas me parler! Non mais la caméra, bordel. On peut pas passer par au-dessus, on peut pas passer par au-dessus. C'est lui un breton. Merde. Hop, voilà. Il faut un maillot de bois pour se baigner, sympa. Bah j'en ai pas. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Alors. Est-ce qu'un Yoshi peut ouvrir une porte? Non. Je peux pas passer à travers le tableau avec mon Yoshi, tété. Sinon j'aurais déjà fait. Pourquoi je peux pas passer par-dessus, tout simplement? Attendez, peut-être que tout simplement... Non. Et oui, il y a une autre ventilation parce que je vois qu'il y a une ventilation qui fait atterrir derrière. Est-ce que je peux quitter mon Yoshi sans qu'il disparaisse? Ouais. Je crois que c'était une connerie. Alors mon Yoshi doit... Attendez, il y a une étagère derrière. Bah non, il passait pas le Yoshi dans le tableau. Oh, merde, c'était laquelle de dalle. Merde. Oh, bordel. C'est pas le temps de faire... C'est pas l'heure de faire du trampoline, Yoshi. Fais pas le con. Oh, putain, relou. J'arrive pas à redescendre. Ah, putain. Ouais, je sais, j'ai... Ah putain, oui, j'avais oublié que le nectar se consommait de lui-même en plus. J'avais oublié que Yoshi était temporaire en vrai. Putain, du coup, c'était où pour les ananas?
Spicy. Merde. Bon, on va tout refaire à l'envers. Pour rechoper un petit ananas. Bah oui, mais il y avait rien à manger, Tété. Tu veux que je lui donne quoi à bouffer, une étagère? Ressane ça. Alors. Donc là, avec Mario, je peux bien passer, y a pas de souci. On passe par là-bas, tout ça, voilà. On récupère nos ananas. Merde. Voilà, hop. Merde. Allez. Voilà. On récupère un ananas, putain, enfin. Là, c'est pas Super Mario Sunshine, c'est Super Mario Maraîcher, quoi, enfin. Primeur. Super Mario Primeur. D'accord, Sans. Attendez, quand je suis... Attendez, je suis plus trop. Donc là, deuxième étage, on est bien d'accord, deuxième étage. Deuxième étage, ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire au deuxième étage? Une porte ouverte là, nickel. On va pouvoir faire du trampoline. Voilà, là on arrive. Merde. On arrive à rien. Voilà. Je crois qu'il faut repartir par là-bas pour tomber du côté de la piscine. Piscine. Donc là c'est un cul-de-sac. Merde. Vraiment mon Yoshi. Ah putain. Est-ce que les fantômes on peut les virer à coup de... Voilà, on peut tout simplement les bouffer, c'est encore plus simple. Du coup... Où est la sortie? Faut que je mange tous les bouts, Paul. Je me rappelais pas de ça. Putain, par contre, j'ai presque plus de nectar. Faut que je me grouille. Il y a une pièce bleue qui traîne. Merde! Merde. Hop. Donc là il y en a un dernier par là-bas. Faut faire le tour là-bas. Allez vite, j'ai presque plus de nectar. Allez, gauche. Oui mais Kirbou, je te rappelle que les lives YouTube sont jamais tout à fait en live. On a à peu près 10 secondes de décalage entre moi ce que je vois et toi ce que tu me dis. Donc le problème c'est que... Ah bordel. Non. Ah, je sais pas, on me dit de bouffer les... Non, Edal, il est juste orange, il est pas roux, le Yoshi. Ah, je sais pas, on me dit de manger les bouts. Moi, je bouffe les bouts. Alors du coup, on va devoir tout recommencer, parce que là, mon... Ah, quoique, non, pas tout. On va juste redescendre le nourrir vite fait avant qu'il meure, voilà. Vite, vite, nourris-toi. Oui, voilà. On va remonter. Alors, donc la porte ouverte, la porte ouverte, la porte ouverte qui était là-bas. Hop. Bon, maintenant que je sais qu'il n'y a pas besoin de bouffer les bouts, on va le faire à ma manière. Je sens que ça doit être par là-bas. Il y a des pièces, il y a sûrement un truc à la con. Voilà, ici.
Ah bah non, c'était pas là. Ah, quoique ça nous a permis de... Ah, attendez. Bien sûr que si, c'est là. Voilà. Non. Non, c'est pas là. Alors attendez, il y avait pas un fruit qui traînait par ici. On va remonter encore là-haut. Attendez, Yoshi, comment je peux le sortir du coup hein? Comment je peux le sortir? D'accord, Basile. Ah, d'accord, je peux le faire sortir comme ça, je pense bien. Si j'arrive à bien le placer avant. Ça, c'est encore toute une histoire. Parce que Yoshi, il peut pas ouvrir les portes, si. Ouvre la porte, Yoshi. Non, il sait pas ouvrir les portes. Y'a rien à faire dans cette salle. Je crois qu'il va falloir que je l'abandonne. Pourquoi? Ah voilà, yes! Descendre. C'était par où? Ah putain, je peux. Non, c'est vrai, je peux pas passer à travers le tableau du bout avec le Yoshi. Ah si, il faut que je crache dessus en même temps, d'accord. Et là, du coup, je peux redescendre par là. Non. Je joue bien sur GameCube, hein, Breton. Surtout qu'on peut pas brancher une GameCube sur un ordinateur normalement, je crois pas. Sauf s'il y a un putain d'adaptateur de la mort. Ah, je crois qu'il va falloir que je l'abandonne, mon Yoshi, je suis désolé. Mais il peut pas ouvrir les portes, Yoshi, Kerbou. En plus, je crois que je viens de bouffer tous les ananas de l'autre côté. Putain, la mission de l'enfer, quoi. Je peux même pas aller refiler à nouveau un ananas à un œuf. Bah, Kerbou, pourtant, regarde. Je montre à la caméra, hein. Tu vois bien, je suis devant la porte, j'appuie sur B. Ça marche pas, on peut pas ouvrir une porte avec un Yoshi. Bah, moi ça me dérange pas, mais il faut me dire comment alors. Parce que franchement. Là, j'essaie les boutons. Bon, bah là, j'ai eu un bug, je viens de passer carrément à travers le mur. Et je peux même plus y rentrer, mais putain, c'est quoi ce... Ok. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Le jeu a décidé de me faire chier aujourd'hui. Bah, je vais lui rendre l'appareil. Bah je suis en train d'essayer de terminer le niveau, Clément, comme d'habitude. Je sais pas ce que je peux trop rajouter là-dessus. Un Yoshi mort, c'est pas très vivant. En effet, Basile. Excellente pensée philosophique pour aujourd'hui. Hop là. Mais c'est juste que quand il meurt, du coup, on peut récupérer l'œuf à l'entrée, Basile. Bon, bah écoutez... Est-ce qu'il y a moyen? Je vais essayer de le faire mourir le plus rapidement possible parce que ça se trouve, s'il est encore vivant, il n'y aura pas d'œuf en bas. On va vider tout son nectar. D'accord, Edal. C'est vrai qu'une petite bière, ça me fera du bien tout à l'heure. Allez. Vite toi, bordel! Attends, il n'y a pas moyen de le suicider. Franchement, il n'y a pas moyen d'ouvrir la porte avec Yoshi.
Ça, c'est très con. Genre, Mario, il pourrait même pas lui tenir la porte ou une connerie. Hop. Bon. À mon avis, il doit quand même y avoir un œuf en bas. C'est pas grave, on y va à coup d'ananas. Allez, YOLO. Hashtag YOLO ananas. Eh ben non, tant que le Yoshi n'est pas mort, il n'y a pas d'ananas. Il n'y a pas d'œuf, putain. On va sortir de la zone. On refera ce niveau un peu plus tard si vous voulez bien. Bah, de temps en temps, un breton, de temps en temps, je fais des lives d'un peu de tout et n'importe quoi. Ah, merci pour l'abonnement. Bah, j'ai appuyé sur tous les boutons, Kirbou. Merci, Zaro. Et bienvenue à toi. Alors. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire comme niveau cool? Putain, en fait, c'est ça qui est con, c'est que les niveaux cool, je les ai déjà tous faits. Là, il n'y a plus qu'à faire les niveaux relous pour finir le jeu. Alors, la Benoki. La carré... Ah oui, non, elle est sympa, elle est mignonne, cette mission, j'avais bien aimé. Elle est pas si facile, mais je trouve qu'elle est sympa. Ah, c'est juste que c'est même pas un rage kit one hand, je ne pouvais absolument rien faire, mon Yoshi, il voulait pas mourir. Et moi, je pouvais pas récupérer de Yoshi, du coup. Alors. Allez, on va... Attendez, il a bien dit ce que... Attendez. On est bien d'accord, il a dit... Sinon, tu peux utiliser cette corde pour rejoindre grand-père plus vite. Ne jamais répéter cette phrase en dehors de son contexte. Ah bah Zaro, Mario 64, on a déjà fini à 100%, il y a tous les lives qui sont en ligne. Et Mario Bros, je l'ai aussi fini en live. Et on va très bientôt faire une soirée... Mario All-Star, donc avec Mario Bros 1, 2, 3. Je ne sais plus, PE Game. Alors, il est où, grand-père? Coucou, mon petit PE Game, ça va? D'accord. Ouais, mais je voulais aller voir le grand-père, moi, et prendre de ses nouvelles, voir si ça va bien, s'ils ont pas déprogrammé sa série préférée, si les infirmières le font pas trop chier, si sa sonde lui pique pas trop, tout ça. Alors, Zaro, parce que le problème, c'est que si tu demandes tout à chaque fois, comme tout le monde, ça risque de prendre du temps. Tous les lives qui sont faits ou qui ont été faits sont dans une liste dans la description juste en dessous de la vidéo. T'auras tout ce que tu veux dedans. Au niveau information, t'as vraiment toutes les infos, je me suis embêté à tout noter, donc n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil. Parce que ça risque d'être long sinon de tout te dire. Non, non, Gaëtan, je fais Super Mario Galaxy par la force de la pensée. Allez, on va nettoyer les dents de l'anguille. YOLO! À ce point-là, Kirbou. Salut MXMX, bienvenue à toi. Merci pour ton abonnement. Alors. Ouais, mais Idal, dans le doute, je lui ai dit juste de faire un ban temporaire parce que malheureusement, tous les modos n'ont pas eu l'info par rapport à ce que tu sais. Salut Almina, ça va? Tout le monde a été traumatisé par cette anguille, j'ai l'impression. Salut Tristan. Putain, on arrive, on a déjà le tiers de l'énergie en moins, quoi. Oh putain, fallait que je fasse quoi. Allez, on lui décrase ses dents. Hop. Voilà, de une. Comment je vais récupérer de l'énergie d'ailleurs?
J'ai pas compris. Non, c'était... du coup, je pouvais plus avoir mon Yoshi, en fait. C'est un peu compliqué. Oula. Faut qu'il se brosse les dents plus souvent. Oh oh, elle veut m'avaler. Ouais, là on va pas très bien. On lui lave encore une ou deux dents, puis on va récupérer de la pièce. Voilà, il y en a par là-bas, nickel. Allez, il n'y en a plus beaucoup. Oh. Bah, il n'y a plus beaucoup d'oxygène surtout. Allez, on va récupérer un peu de vie, enfin d'oxygène. Oh putain, merde. Vite, vite, vite. Vite. Descends plus vite, bordel. Voilà. La caméra, ouais, là c'est bon. Yes, on va pouvoir y retourner. Allez, on y est presque. Il reste plus qu'une ou deux dents. Oh, oh. Non, sérieux. Oh. Alors hop. Ah non putain, il reste encore 3 dents en tout. Merde. Voilà. Et encore une. Non, il en reste que 2 en fait. Allez, on attend un peu. Merde. Oh non. Non 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 non. C'est dégueulasse, j'étais presque. Attendez, il n'y a pas des pièces pas loin. Oui, c'est là. Voilà. Hop, on y retourne. Merde. Vite. Yes. Et genre l'anguille, elle avait bouffé un soleil, il l'avait transformé en dent, quoi. Allez, où qu'il est, où qu'il est. Il est là-bas. D'accord, Kirbou. Ah merde, Zelda Hyrule, dommage. J'espère que ça va quand même. Hop. Une petite sauvegarde. Salut Cyrano. C'est Yuki. Allez, on y retourne. La baignade... Ah putain, salaud. J'ai horreur de ce mec. Bah, on sera obligé de les faire, Kirbou, je crois bien. Ouais, ce serait dommage. Mais en même temps, tu regagnes toute ta respiration juste après avoir battu Longhi, en fait. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il doit être là-haut. Hop.
Ah, c'est épisode 8, bah je ferai pas tout de suite parce que comme j'ai expliqué, moi mon but c'est pas de finir à 100%, j'ai déjà fait il y a quelques années, c'est juste de finir le jeu avec vous. Hop là. Bon, allez. Je vais le regretter. Alors. Donc le drapeau, où qu'il est? Ah, ça va, il est pas en hauteur. 40 secondes. D'accord. Moi, je pensais qu'il fallait sauter de plateforme en plateforme. Là, on va pouvoir. Ah, j'ai pas fait exprès, mais ça peut me faire gagner du temps. Attention aux poissons. Bah voilà. Tout simplement. Run up tower. Bon bah c'est cool. Et voilà. Bon du coup je ne sais pas du tout comment j'ai fait pour rebondir au début, mais tant mieux. A plus Art Perso Games. Allez, on y retourne. Moi je préfère les courses de comment ça s'appelle de Koopa merde, comment il s'appelle? Dans Mario 64, il était une fois YouTube. Le secret du coquillage. Oui, je sais, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, Kirbou. Bon. On va devoir refaire un niveau totalement play. Salut Bronstroman, ça va très bien et toi? Alors par où il faut que j'aille en fait? Parce que je sais même pas si je vais au bon endroit. Pas du tout ici, d'accord. Voilà. Voilà. Merde, merde, merde. Caméra à la con, caméra à la con. C'est bon. C'est bon, on y est presque. Si j'arrive à contrôler cette putain de caméra, de temps en temps, je tourne juste le truc et ça bloque. Et après ça bloque plus. Là par exemple, regardez, je déconne pas. Hein. Vous voyez sur la caméra. Voilà, le. Ça qui est con, c'est que c'est enfin un Mario où on peut vraiment contrôler la caméra et pourtant elle bloque partout. Alors faut que je passe par où? Hop. Ah, ça me fait gagner un peu de temps. Voilà. Attendez, là il y a peut-être moyen de pas me faire chier et de choper directement la corde là-haut. Voilà. Et comme ça on n'a pas besoin de tout escalader de façon relou. Bah non, on n'a pas encore fait la mission des pièces rouges, Clément. Oh, j'aime bien Constant, mais après je suis pas un ultra ultra fan comme ça d'un train de ouf. Alors du coup il faut faire quoi ici? Alors, on va peut-être récupérer des champignons, je sais pas où ils sont planqués les champignons de vie ici. Peut-être là. Non. Merde. Oups là.
Non. Bah il est où le champi? Où qui c'est qui se cache le champipi? Bah non, il y a pas de champignon. C'est en mode aller où faire foutre puis crever bien. D'accord. Merci les gars. Merde, j'arrive pile poil au moment où il y a le truc qui est pas dans le bon sens. Du coup, il faut juste que j'aille de... Ah, non, c'est bon. Voilà. Ouais, c'était un peu juste quand même. Peut-être ici. Il y a plus celle de la rue, là. Non, il y a rien ici. Parce que là, je veux pas paniquer, hein, mais il me reste une vie, donc j'ai concrètement, j'ai deux essais si jamais je trouve pas un endroit où il y a un champignon. Voilà, c'est bon. Donc on sait que le champignon il se casse là, comme ça la prochaine fois où je meurs je peux en récupérer un à chaque fois. Hop là. Putain, faut faire gaffe parce qu'avec les couleurs c'est pas facile forcément de se repérer. Voilà. Allez. Hop. Alors c'est quoi déjà les flèches? Ouais, je sais pas pourquoi je me sens pas de monter sur le mur directement. On va plutôt essayer de passer sur le côté. Voilà. Merde. Voilà. Et là par contre faut pas que je me foire. Putain là ils font quand même chier. Voilà. Bon pour l'instant le dieu du jeu a été avec moi. Est-ce que ça va être le cas pour la suite? Non. Alors. Attendez, je réfléchis un peu histoire de faire le truc le moins risqué possible. Ouais, il y a peut-être moyen comme ça. Ah putain, raté. Non. Bon, si je fais ça juste. Non plus. Si je fais... Ah putain, non plus. Putain, ouais, j'imagine, Paul. C'est Miguel. Alors. Putain merde. Il manque pas grand chose. Voilà, bien. On va peut-être y arriver. C'est encore loin. Ouf, oui c'est encore loin. On va y aller tout doucement alors. Oh putain de sa maman. Ouais, je me suis un peu trop précipité. Non, le tourbillon, j'ai failli me jeter dans le vide, tété. A plus, Emini. Team Anana ou passe avec Anana qui rebouffe. Ah non, il serait pas assez sympa pour mettre un checkpoint ou de tower. Putain, et moi je me dis, c'est bon, on est arrivé à la fin. Avec toutes les conneries qu'on a faites. Non, c'est... ce n'est que le début. Voilà. Donc là. On a le champi qui est planqué. Voilà. Comme ça, on recycle le novi au cas où on meurt. Alors. Oh, ça doit pas être exactement le même. Il doit ressembler, mais... ça doit pas être exactement le même, je pense. Bah, je vais essayer, Gaël, mais c'est pas moi qui décide, encore une fois. Hop là. Voilà, yep. T'arrives.
Et pourquoi je me fais chier à rebondir jusqu'à là-bas alors que je peux très... J'avais pas vu, il y avait un coin de mur libre ici qui nous permettrait de le faire directement là. Merde, non. Qu'est-ce que t'as foutu? Ah putain, j'ai le doigt qui a glissé sur le bouton B en fait. Voilà. Yes. Oui, je sais bien Gaël, mais c'est pas en te disant qu'il faut pas mourir dans un jeu que t'arrives à ne pas mourir. Sinon ce serait trop facile. A plus Gaëtan. Ok Aida là. Ah, tu changes tout le temps tes tanks de Clément, faudrait que tu te mettes d'accord avec toi-même. Hop, allez. Voilà. Allez. Attendez, il faut que je prenne un peu en biais en fait. Voilà, non. Ah, ouais. Si j'essaie directement comme ça, ça ne marche pas. Je suis sûr qu'il y a une solution moins chiante en faisant comme ça, mais j'arrive pas à voir comment. Non, bon, bah on va faire comme tout à l'heure, hein. Ça marchait plutôt bien. Merde. Voilà. Et là, par contre, je vais essayer de faire un peu plus attention que tout à l'heure. Attendez, je regarde un peu à quelle vitesse ça avance. Enfin, ça tourne plutôt. Voilà, nickel. Oui. Tu vas y tourner un tout petit peu plus vite. Voilà. Ouf. Ouais, là j'aurais pu faire un peu plus gaffe quand même. Attendez, là j'attends que la caméra elle arrête de faire de la merde. Merde. Ouais, bah non. La caméra en mode not today. Voilà. Oh bordel. Voilà. En fait, j'ai trop peur de me vautrer à la gueule. Mais le problème, c'est que la caméra, elle suit pas du tout le mouvement. Donc, c'est même pas un problème de saut, de bien savoir diriger son saut. C'est un souci de... T'es obligé de diriger ton saut et la caméra en même temps pour voir quelque chose, quoi. Voilà. Alors. Hop là. On est encore loin. Un grand schtroumpf. Il faut pas se foirer, hein. Voilà, hop, oui. 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 Bah voilà, je commence à l'avoir en main, ce jeu. Bah moi aussi, Clément. Salut le Mathieu. Je sais pas du tout le Mathieu, moi je joue sur la GameCube donc Mais par contre tu peux jouer au CD de la GameCube sur la Wii. La Wii et CD GameCube. Alors, bah du coup qu'est-ce qu'il nous reste? Bah il nous reste plus qu'à taper sur Anti-Mario. Anti-Mario, tu perds ton sang-froid. D'accord Gaël. Je savais même plus qu'il y avait une voyante. Alors, là par contre, je pense que ça va être un peu plus chiant que d'habitude encore. Ah non, d'accord. Alors, faut m'expliquer. Pourquoi Anti-Mario il nage mais qu'il supporte pas l'eau quand même. Par contre, attention le Mathieu. En effet, tu peux jouer à des jeux GameCube sur Wii. Mais pour ça il faut que tu aies des cartes mémoire GameCube et une manette GameCube aussi. Mais pourquoi il veut pas wall jumper sur l'autre mur? Je sens qu'il va être chiant celui-là. Ok, il me fonce carrément dedans. Tranquillou. Merde! Il glissait. Ah
Hop là. Ouais, là. Merde. Ah putain, mais il est tellement chiant celui-là. Merde. Je vais y arriver un jour quand même. Ouais, quand même, si j'arrive à faire un peu de dégâts de temps en temps, ça pourrait être bien aussi. Alors. Il est passé où? Ok, il s'est jeté dans le vide carrément. Bon, le saut de l'ange. Il est retourné dans l'eau alors qu'il aime pas l'eau, oui, logique. Merde, mais sérieux. Putain, et la caméra qui réagit pas au joystick, franchement, ça m'irrite. Mais au plus haut point, quoi. Allez. Hop. Non, franchement, c'est un excellent jeu. Et si on peut reprocher deux choses, c'est la gestion de la caméra qui est pas toujours bien. Et surtout les sauts qui sont pas gérés comme dans les autres Mario en fait. Parce que putain, j'ai jamais eu autant de problèmes de précision sur un Mario que dans celui-là. Après il suicide encore, voilà, hop. Merde. Ouh, putain, j'ai failli me péter la gueule. Mais t'es déjà dans l'eau. Oh putain. Ah bah voilà, quand même. 3 heures plus tard. C'est bon. Salut Arthur. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore comme anti-Mario Bat? Parce que là, mine de rien, on en a plus beaucoup. Je crois qu'il doit nous en rester deux pour finir le jeu. Alors, voyons voir. Je crois qu'il nous reste celui de l'hôtel et celui du parc d'attraction. C'est ça. Parc Pina et plage Sirena. Bah écoutez, on va faire un petit tour au parc. Alors, le parc, il est par là-bas. Alors, attendez, bon, j'ai la flemme de me taper le tour. Hein. Yep. Et sans toucher les bords. Salut The Bluestone. D'accord Gaël. Alors la grande roue de la... Ah putain, ouais. Non. Je le sens pas. Je le sens pas. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette grande roue? Oh, les gens, elle tourne vite, les gens ils doivent très bien s'amuser, je pense. Ah, cool Arthur, bah bienvenue à toi. A plus Chubby. Alors, je crois que le mieux pour monter, c'est de passer par la droite. Thank you.
falloir passer derrière pour tout monter. Ou sinon peut-être par ici. Réparer le plus vite possible, d'accord. On va faire le tour, voir s'il y a moyen de la réparer de l'autre côté. Merde! Oh! D'accord, il y a des tortues électriques partout. Bon, on va essayer de gruger un peu de chemin pour pas tout se retaper de l'en bas. Allez, vite, vite, vite! Ouais! Voilà. Merde! Oh bordel! Oh putain! Bon, tant pis, on va tout recommencer d'en bas. C'est pas une roue mais un ventilateur, c'est tellement ça. Au moins c'est bien, ils ont pas trop chaud. Parfois c'est là qu'il faut que je shoot. Ah non, bon je pensais qu'il y avait moyen de retourner la plaque en tapant dessus. Putain mais caméra à la con quoi. Non mais c'est tellement sérieux, c'était une fois YouTube, c'est. Enfin voilà, c'est. Le niveau pourrait être fun si on avait une vraie caméra. D'accord, hop. D'accord, en fait, c'est si on tire dessus, ça se met droit. Ok. Ah putain, je le cherche encore le fun, là, tout de suite, maintenant. Voilà, on dégage la tortue. Attendons que la tortue l'aide à dégager. On va pouvoir l'aider de l'autre côté. Alors, voilà, hop. Clément, si c'est pas marqué que je serai en live à 23h, je serai pas en live à 23h. Je veux pas t'engueuler, hein, loin de là, Clément. Mais c'est juste qu'à chaque fois, tu poses des questions à côté. Je mets toutes les informations à disposition. Ce soir, je sors avec des amis, donc je ne fais pas de live ce soir. Sinon, il y aurait eu un, voilà, il y aurait un live qui serait programmé comme d'habitude. Encore une fois les gars, quand je sais quand est-ce que je vais faire un live ou quand je vais faire un jeu en particulier, le live est programmé. Là, s'il n'y a pas un des jeux que vous cherchez ou un live marqué ce soir, ça veut dire qu'il n'y aura pas ça ce soir à ce moment-là. Encore une fois, mon emploi du temps, il change toutes les semaines, il change 3 fois par semaine facile. Je ne peux pas prévoir tous les lives une semaine à l'avance. Alors, là on peut pas passer derrière, hop. Caméra à la con. Ouais génial, et lui c'est pas accroché au mur. Bah j'aimerais bien, mais le souci c'est que j'ai un peu de mal à gérer tout ça avec les caméras, je vous avoue. Hop, voilà. Voilà, là vous voulez que je fasse quoi avec une caméra comme ça? C'est ça Clément. En même temps tu voudrais aller faire un tour de grand 8 et il y aurait une tortue électrique juste devant. Est-ce que ça te tenterait quand même d'y aller? Ah. Ah oui d'accord, l'utiliser comme ça, d'accord, merci les gars, j'avais pas compris tout de suite en fait. Oh oh. Oh oh. Attendez, je peux pas arroser les trucs devant. Attendez, je peux passer de l'autre côté a priori. Si la caméra me fait pas trop chier. Je rigole pas, le pire c'est que le bouton de la caméra j'y touche même pas, donc la caméra tourne de sa propre volonté. Gaël, je ne sais pas. Gaël, je viens de dire à l'instant que si c'est pas marqué sur le live, c'est que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais faire un prochain live dessus. Donc je ne sais vraiment pas. Si je te dis pas, c'est pas pour t'emmerder encore une fois, c'est juste que je...
Franchement, les gars, là vous êtes de moins en moins agréables sur le chat. Il y a un moment où je vais finir par plus mettre de chat sur les lives parce que je réponds à vos questions et malgré ça, vous continuez à les poser ou vous devenez même des fois agressif sur le chat. Moi, je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Je peux pas m'arrêter de travailler pour vous faire des lives H24 et prévoir d'avance quand est-ce que j'aurai du temps pour les lives, malheureusement. Mettez-vous un peu à ma place. Soyez patient, le moment où je sais que j'aurai le temps de faire un Zelda, je vous ferai un Zelda, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai très hâte de pouvoir rejouer à Zelda avec vous. Mais là, j'ai mon début de semaine qui est ultra chargé, je ne sais pas encore à quel moment j'aurai ne serait-ce que 2 heures pour qu'elle ait un live. Salut Mathéo. Bah, re-bienvenue alors. Attendez. Il n'y a pas moyen de faire ça. Voilà, on attend que ça se replie. Putain. Non mais sérieux, c'est quoi cette caméra Polyakov encore? Allez, on vire la tortue. Si on peut, si on a une caméra. Non mais sérieux, la tortue elle est même pas de notre côté, elle est de l'autre côté du mur. On peut pas choisir la durée des timeout, TT. C'est forcément 600 secondes. Ah, en plus, on me dit que Zelda est déjà prévu, donc Zelda est déjà prévu. Et c'est juste que le problème, c'est que comme je vous programme tout à l'avance, je ne sais même plus ce qui est prévu quand. Je sais que c'est des moments où je suis forcément libre, mais quand... Alors, attendez. On prie pour que le dieu des caméras soit avec nous et bah hop, voilà. Ah putain, j'ai presque plus de vie avec toutes ces conneries. On peut pas passer au-dessus. Non, ce serait trop demandé. Putain. Super Mario. Voilà. Allez, on y est presque. On y croit, on prie. Merde. Et voilà. Bisous, bisous à Tortue. Oui, j'ai déjà fini à 100%, Yuan. Ben, j'aimerais bien, Arthur, mais le souci, c'est que ce genre de questions, je les ai de plus en plus souvent, et les gens qui me les posent sont de plus en plus agressifs. Là, je suis désolé, mais sur ce live-là, pourtant, je pense être quelqu'un d'un minimum calme et d'un minimum patient. Mais le problème c'est que ces questions là et le fait des gens qui s'énervent c'est parce que je leur réponds pas tout de suite sur le chat. Là, je suis désolé mais c'est un peu fatigant à gérer. Encore une fois je suis là sur mon temps libre, je suis là pour m'amuser avec vous et tout. Je suis pas là pour me faire ni harceler ni agresser hein, et puis je suis pas non plus pour vous agresser non plus. J'adore passer un peu de temps avec vous mais... Quand même essayer de faire un peu attention à ce que vous demandez et à ce que je vous réponds. Ce serait sympa. Et évitez de faire comme Clément de poser 10 000 questions par minute, surtout quand elles n'ont pas à voir avec le live. Toi aussi, Camou. Allez! Ah oui, mais c'est pas simple, Arthur, parce que des fois, ils veulent pas toujours comprendre. Allez, le secret des... Ah putain, oui, celle-là, je crois qu'elle est un peu chiante comme mission. Ouais, mais ces règles-là sont déjà ajoutées, Tété. Tout est déjà dans les règles, hein. Alors là, il va falloir replacer un Yoshi ici, mais il va falloir le retrouver, le Yoshi, et retrouver le fruit qu'il y voit. Je sais que tu fais pas... Je sais que c'est pas méchant, Clément, et que tu fais pas exprès, mais franchement, quand tu poses une question, n'hésite pas, avant de la poster, à te demander toi-même
Est-ce qu'elle est intéressante? Et est-ce qu'elle est bien dans le contexte? Parce qu'encore une fois, en plus, on fait une FAQ demain. Donc, tu pourras poser toutes les questions que tu veux sur la FAQ, même en hors-sujet, etc. Donc justement, profite plutôt de la FAQ plutôt qu'un live de Super Mario pour poser des questions qui n'ont rien à voir avec Super Mario. Alors, là, je me souviens plus du tout de ce que je suis censé faire sur celle-là. Je crois qu'il faut que je récupère la poire, en plus. Merde. Salut, Kamora. Je retenterai sûrement plus tard, Gurvan. Ah putain, non. Donc là, il y a bien un œuf de Yoshi, mais c'est pas du tout le bon fruit que j'ai pris. Il faut une banane. Où est-ce qu'il y a des bananes? Par ici. Par là-bas, je crois bien. Ah, juste là. Voilà. Tu dois être en décalage, Paul, parce que j'étais dessus il y a 10-15 secondes. J'arrive pas à monter. Voilà. Alors, et en plus j'imagine que du coup le Yoshi doit être de la bonne couleur, c'est ça, donc il faut prendre la poire. J'ai fait quoi de la poire? Elle est là. Alors... Merde, il était où? Il était là-bas, c'est bon. Alors il est où le trou? Il est là. Ouais, c'est bon. Je ne sais plus du tout, Clément. Ah putain, oui. Ça. Ouais. Voyez, tout doucement. Oui. Bien. Alors, on va essayer de trouver où se trouve le champignon. One up. Histoire de pas continuer à poil. Voilà. Yes. D'accord, Kirbou. Et go. Go. Gadgetto. Chapeau. Ah merde, raté. Là concrètement il nous manque plus que deux anti-Mario à battre avant de pouvoir aller battre le boss final Arthur. Hop là. Bluestone qui est à fond dedans. Je me rappelais pas qu'il était aussi chiant que ça à ce niveau, Paul. En fait, j'ai pas besoin de monter sur les bleus, juste sur les noirs. Ah non, si, il faut que je monte sur les bleus quand même. Hop. Ah putain, sa mère, il a glissé. Allez, hop. Youp là. Merde. Oh putain. Oui. C'est bon. J'ai failli mourir 10 fois, mais c'est bon. Bon, je vous avoue, c'est pas du skill là sur ce coup là, c'est plus de la chance. Reconstant. Hop là. Yep. Et voilà, yes, c'est bon. Du coup, il va falloir refaire la même chose dans l'autre sens. Allez, il me faut... Ouais.
Bien. Oui. Oui. Non! Putain! Eh, sérieux! Il y a vraiment un gros problème avec la gestion des sauts au bord des plateformes dans ce Mario-là. Ah, oh, c'est pas gentil, Eidal. C'est tellement ça, Arthur. Voilà, hop. Hop là. T'inquiète pas, Kirbou, à chaque fois je récupère une vie en tout début de niveau, ce qui fait que ça rééquilibre avec la vie que j'ai perdue en fin de niveau. Enfin, en fin de partie d'avant. Donc ça rééquilibre à chaque fois. Voilà. On prend bien de l'élan et on saute pas au dernier moment. Voilà. Tout simplement. Alors là, je pense qu'il va tourner ce cube-là, sinon c'est pas marrant. Ah non, même pas. Il est gentil. C'est un gentil petit cube. Alors. Ah putain, non. Je pensais qu'il allait venir vers moi. Bon app, Clément. Putain, c'est dommage, j'étais pas loin de la fin. Hop, putain. Hop, c'est bon. Hop là. Yes. 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 Le bleu. Le bleu. Ouais. Yes, un dernier. Voilà, ça va être pépère. Voilà. Ah ouais, mais en fait ils ont enlevé le saut en longueur et le salto arrière qui sont malgré tout. Enfin, c'est pour moi c'est des bases dans Mario. Quand on les a pas, c'est tellement chiant. Attendez, je vérifie à quelle vitesse il repart. Ok. Donc là, il va falloir bien prévoir en avance. Hop là. Ok, là pareil, il va falloir prévoir en avance. Salut Sakula. Ça va et toi? Oh putain. Combien de fois je me vautre sur des wall jumps comme ça en déviant très légèrement mon saut. Allez, on y est presque. Attends, je vérifie quelques trucs, ouais. Oui. Ah putain, il a glissé. Et il a pas atterri sur le truc du tout. Logique. Ça va, Gaëtan, ça va. Salut, Coutoir, ça va? J'ai rien compris à ta question, Tété. Il doit manquer des mots. Salut, Pixans. Voilà. Hop là. Oh. Vite, vite. Oui. Ça a très bien nettoyé là. Hop là. Yes. Oui. Allez, une rouge, une rouge. Putain, trop juste, ta mère. Voilà.
C'est ça, il manque des checkpoints, mais en même temps, avec des checkpoints, ce serait trop facile, Noob Towa. Je sais pas du tout, Tété. Je pense que je vais juste finir l'anti-Mario d'après et m'arrêter là. Parce que je vous avoue que je suis un peu fatigué, il faut que je me repose aussi un peu. De temps en temps. Puis j'ai quelques trucs à préparer, j'ai toujours pas fini de monter mon ordinateur. Et pour certains lives, parce que putain, il y a certains lives de PC, enfin de jeux PC qui sont en attente. Et il faudrait vraiment un ordinateur qui fonctionne bien pour ça. Ah, ce n'est que le premier, Paul. J'ai été trop raisonnable aujourd'hui. Hop là. Ah merde, trop tard. Hop là, nickel. Nickel. Allez, cette fois c'est la bonne. Voilà. Oui. Sérieux? Mais pourquoi il glisse comme un clampin à chaque fois, lui? En bout de plateforme, en fait, on peut pas sauter, il glisse quand on est trop en bout de plateforme. Je vous jure que c'est vrai. Non, et du coup, comment je peux faire pour monter? Comme ça. Oui, voilà. Oh, non, pas trop loin, voilà. Vous voyez, quand je saute vraiment trop en bout de plateforme, il saute pas. C'est super chiant. Putain. Il me refait le coup à chaque fois. Voilà. On va essayer de remonter comme tout à l'heure. Mais j'y crois pas. Voilà, nickel. Donc je suis obligé de sauter vachement à l'avance. Et du coup, je risque de pas avoir assez de sauts à chaque fois. Sérieux? Non mais... Alors, regardez assez nos ralentis parce que vous voyez qu'il commence à sauter et en fait il saute pas tout à fait, c'est comme si la plateforme le rattrapait. Voilà. Voilà. Merde. On va y arriver, on va y arriver. Yes. Voilà. Oui. De justesse, mais oui. Hop là, voilà. Yes. Et voilà. D'accord, Paul. Allez, on va juste faire un dernier niveau. On va aller combattre Anti-Mario. Et puis on gardera un peu pour la prochaine fois, histoire de finir le jeu tous ensemble. Anti-Mario prend du bon temps. Je sais pas pourquoi, à mon avis, ce genre de titre, de vidéo sur internet, ça peut ne mener qu'à des choses très malsaines. Allez, let's go. Alors, Ia, chopez-le. Ok. On se fait même pas aider par les tortues taser qui pourraient très bien nous aider. Merde, j'ai foncé dedans. Merde. Oh, je fais n'importe quoi.
Il est là-haut ou pas? Non, il est pas là-haut. Il a l'air d'être tout en bas. Ah bah non, c'est pas lui. Ah, il est là-bas, si, c'est lui. Merde. Chopez-le! Ah putain. Il est passé où? C'est Nicolas. D'accord Gaëtan. Ah, ne pas avoir de carte mémoire, c'est le coup que j'avais eu avec la 64, j'avais acheté Rayman 2. Et je savais pas qu'il y avait besoin d'une carte mémoire pour certains jeux. Et du coup ce jeu là, bah... Je devais avoir 20 euros, non 15 ou 20 euros par semaine, par mois. Et du coup j'avais économisé pour acheter Rayman 2. Et j'ai dû réattendre 2 mois du coup pour m'acheter une carte mémoire pour 64 pour pouvoir sauvegarder sur le jeu. Donc les premiers niveaux je les connaissais par cœur. Mais à chaque fois je pouvais pas sauvegarder. Ce qui est con pour une cartouche. Ah merde, il est passé où? Là-bas. Bah, mais je lui tire dessus pourtant. Putain, il est relou celui-là. Hop là. Allez, meurs. C'est pas possible, il a une régène ou ça se passe comment? Allez. Hop là. Hop. Il fait quasiment tout le temps presque le même chemin, mais il prend jamais les courbes de la même façon en fait. Allez, meurs, meurs, meurs. Oh. Voilà, quand même. Putain, c'est ça que je comprends pas, c'est que les anti-Mario, des fois on peut les avoir en à peine 5 secondes, et puis des fois on leur court après pendant 5 minutes. Et voilà. Cool Uzumaki, moi il faut toujours que j'aille la réserver malheureusement. Ok, bah on va s'arrêter là-dessus les gars. Pour regarder un peu pour la prochaine fois. La prochaine fois on terminera, je vais vous montrer juste un peu où on en est. Bah, sinon il ne reste plus grand chose à faire pour finir le jeu concrètement. Là on a bien avancé aujourd'hui. Bien mieux que les deux dernières fois. Comme vous regardez. Il ne reste plus qu'à choper 5 étoiles de la plage Sirena pour pouvoir aller battre le boss final. Comme d'habitude, je vais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à mettre quelques petits pouces bleus sur la vidéo si bien sûr vous l'avez apprécié. On se retrouve demain. Demain après-midi, qu'est-ce qu'on a de beau demain? Hop. Demain, on a... Bah, demain à partir de 4h, donc de 16h, on a Twilight Princess. On enchaîne à 20h avec la FAQ des 3000 abonnés. Avant d'arriver aux 4000, ça pourrait être bien de la faire. Et puis on va enchaîner. Alors attendez, c'est bizarre, il y a un live qui. Oui, normalement il n'est pas encore noté, mais il y aura un live Crash Bandicoot demain soir à partir de 9h, enfin de 21h. Et puis on aura du Final Fantasy 7 dimanche matin à partir de 9h30. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end et très vite sur Coffee Gaming. Salut!